J'étais en appel vidéo avec ma copine. Salut à tous, salut, salut, salut tout le monde, salut, salut. Oh la musique, elle m'a gonflé. Oh, elle m'a explosé le crâne la musique là. Salut tout le monde, salut, 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 salut. Salut, salut, salut. Wesh, 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 wesh tout le monde. Salut, salut tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ah ouais, c'est ça le samedi, c'est pour ça que j'ai arrêté les trois vidéos le samedi, le samedi c'est horrible. Les samedis, les gens ils ont raison, ils vont se balader et tout, donc c'est pour ça que le samedi, moi, c'est fini les vidéos le samedi, les trois vidéos le samedi, c'est fini. Il y a deux vidéos le samedi maintenant. Je suis désolé, il y a une putain de fanfare qui casse les couilles depuis 2 heures en bas de chez moi, ça devient gavant parce que tu te dis, bon, une fanfare pendant 5-10 minutes c'est cool, pendant 30 minutes c'est cool,
Pendant 1 heure, ça commence à faire beaucoup. Et pendant 2 heures, ça commence à faire un petit peu trop. Bon, ils sont en train de gagner du bif. Donc, il reste depuis 2 heures là. On entend un petit peu, mais pas énormément, énormément. Voilà, mais c'est gonflant à force, quoi. Ah si, on entend. C'est gonflant à force. C'est gonflant. Franchement, c'est gonflant à force. Mais bon. C'est pas grave. Bref, en tout cas, les frérots, ben, comme d'habitude, hein, si vous aimez les lives, explosez la barre des likes. Je compte sur vous, comme d'habitude. Hein, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui ont disliké aussi. Hein. Vous faites quand même plaisir aussi. Vous nous aidez à avancer. Merci beaucoup à vous aussi, quand même. Hein. Ah, Zig, merci beaucoup pour les 2 euros. Clément, merci beaucoup pour l'un euro. Alors, ouais, aujourd'hui, non, je devais pas liver. Parce que bon, aujourd'hui, déjà, j'ai décidé d'enlever les 3 vidéos le samedi. On arrête les 3 vidéos le samedi, ça sert à rien. Tu sors une troisième vidéo, c'est pour R. À la limite, si tu sors une vidéo, c'est bien. Mais 3 vidéos, c'est trop le samedi. Parce que le samedi, les gens, ils ont raison, frère. Il fait beau. C'est le samedi, ils vont se balader. Ils ont raison, quoi. Hein? Et donc, le samedi, j'arrête les 3 vidéos. Samedi, ce sera 2 vidéos. Une à 19h et l'autre à 21h. Super tard. Sinon, c'est la merde le samedi. Ça pue sa mère. Hein? J'ai le jeu si tu veux. Ok, tant mieux, tant mieux. Mais après, je sais pas. Hein, samedi, les gars, ça pue sa mère pour sortir des vidéos à l'après-midi. Parce que les gens, bah, ils ont raison, frérot, ils vont se balader, ils sortent un petit peu. Alors, du coup, comme je vous ai dit, il y a un colis qui est arrivé. Comme je vous l'ai dit, je vais le déballer dans une vidéo très bientôt, vous le savez à l'avance. Mais c'est un colis vraiment très lourd que je vais déballer dans pas très longtemps là. Vous allez voir. Il est juste là-bas, juste à côté là. Alors, attends, du coup, vous êtes les seuls à le savoir là pour l'instant. Enfin, les seuls. Vous êtes 4000 à la savoir. Bon, en tout cas, il ouais, n'y a pas beaucoup de monde, même pour le live. Hein. Franchement, 3537. Bah, merci quand même à ceux qui sont là. Merci quand même à ceux qui sont là, ouais. Bah, le live était pas prévu, frérot, en fait, si tu veux. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé déjà de ne pas sortir 3 vidéos, mais 2. Voilà. Je me suis dit. Aujourd'hui, on va la jouer tranquille. Après, avec mon pote, on devait aller au cinéma. Et mon pote a changé de numéro, en fait. Et je l'appelle depuis tout à l'heure et ça me dit que son numéro n'est plus attribué. Il a eu changé de numéro et du coup, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de le contacter pour aller au cinéma, mais bon, c'est un peu la merde, quoi. Shadi, carrément un qui m'a marqué, je te baise. Eh ben, tu baises des hommes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, dans ce cas-là, on va voir une autre gamme, hein, ça m'intéresse pas, moi. Tu sors trop de vidéos, wesh. Ah bah, il y en a même qui disent que je sors pas trop de vidéos, wesh. Après, tu sais, quand tu me dis que tu sors trop de vidéos, ça revient à la même chose qu'un youtubeur qui sortirait une vidéo de 15, 20, une vidéo de 30 minutes, hein, tu sais. Vu que j'ai des vidéos de 8 minutes, des vidéos de 10 minutes, dans la journée, je veux dire, ça fait 18 minutes. Hein. Ça fait même pas un, même pas. Ça, toutes mes vidéos sorties. Enfin, même quand je sors 3 vidéos, ça fait même pas un seul épisode de The Walking Dead, tu vois. Et là, il m'a 10 épisodes de The Walking Dead par jour. Moi, Donc, quand tu y penses, c'est pas énorme, hein. Hier par exemple, hier j'ai sorti combien de vidéos? Alors attends, hier je vais voir combien j'ai sorti de vidéos. Hier j'ai sorti 2 vidéos. Voilà, une qui dure à peu près 7 minutes 48 et l'autre qui dure 11 minutes 46. On va dire, on va arrondir, on est gentil. On va dire 12 minutes et l'autre, allez, 8 minutes, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 20 minutes. 20 minutes, c'est pratiquement le temps d'un match FIFA, tu vois. Donc quand tu y penses. Après, oui, si je te sors des vidéos de 25 minutes, tu te dis putain, ouais, le mec sort 2 vidéos de 26, de 25 minutes. Tu te dis ouais, là, 25 et 25, ça fait 50. Le mec, il sort des vidéos de 50 minutes par jour. C'est vrai que là, ça envoie du. C'est du freestyle, tu vois. Mais y a des mecs qui font des let's play, par exemple, et ils te font des vidéos de 1 heure et demie, hein. Et je peux te dire que même en sortant 10 vidéos, mes vidéos ne seront pas plus longues que les siennes. Parce que mes vidéos, la moyenne, c'est à peu près 8, 10, 11 minutes. Ce qui veut dire que même si j'en sortais 10, ça ferait 1 heure, tu vois, si je faisais que des vidéos de 10 minutes, ça ferait 1 heure au total. Donc ça serait même pas plus long qu'un de leurs let's play, au final. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, ouais, j'ai mis mon téléphone à charger parce qu'il s'est éteint, ce connard, tout à l'heure. Et là, ma batterie, enfin, mon boîtier, il est presque mort. Alors, sinon, ça va ou quoi samedi là? On se bon samedi, ça va ou quoi? Allez ta gueule. C'est bizarre quand il y a un mec qui dit allez ta gueule et le mec il a une tête de chien dans son logo. C'est que même le chien devait être plus beau que lui, il a mis ça à sa place. T'as raison gros. Quand t'insultes des gens,
Vaut mieux mettre toujours la tête d'un chien ou la tête de quelque chose qui est plus beau que toi en tout cas. Vaut mieux pas mettre ta tête, t'assumeras pas sinon. Alors hop, hop. Alors. Le colis, je peux pas trop vous en dire, tu vois, parce que en fait, il est juste là, tu vois. Et je peux pas vous en dire plus, tu vois, le colis. Ça va se faire dans une vidéo, tu vois. Pour pas que ça soit trop long, parce que si je le fais en live, les gens vont devoir aller chercher pendant 1 heure l'ouverture du colis, tu vois. Et c'est pour ça que dans les lives, des fois, je suis obligé de prendre un moment, de le découper, en fait, d'aller rechercher un moment, de le découper et de le remettre en vidéo. Parce que vous vous rendez compte, la dernière fois, on avait fait un prank, vous vous rappelez à Momo, le prank durait 5 minutes. Et vous savez, le live, il durait combien de temps? 2h20. Va trouver les 5 minutes dans 2h20. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Cherche. Amour, C'est pour ça que j'ai découpé, ouais. je vais tester le jeu. Je vais tester Bah après vas-y. si tu Hein. veux venir. Bah non, là je pourrais pas venir là. Ah, tu pourras pas jouer? Bah non, j'ai que le PlayStation d'activé. Bah, tu mets une capture d'écran de. Mais non, mais non. Ah, il y a eu des dons, oui. Shiker, merci beaucoup, petit vilain, merci beaucoup, mon petit Portugal, merci beaucoup. Tu m'as Salut appelé mon ou pas? pote, hashtag au Shiker, t'inquiète pas, je t'ai reconnu avec ta tête comme ça là. Tu fais le thug et tout là, comme ça là. Je t'ai reconnu, je t'ai reconnu. T'inquiète pas. Ça marche pas. D'ailleurs, le concours va bientôt arriver. Attendez, il faut vraiment que je règle cette histoire de concours là pour qu'il arrive le plus vite possible aussi. Faudrait vite que je règle cette histoire de concours. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés. Hein. N'hésitez pas à vous abonner ce soir. On va sûrement atteindre les 1 160 000. Ça fait plaisir, on est 1 158 000. Ce soir, les 1 160 000. Faudrait que, ouais, que je lance le concours. Faudrait que je lance le concours, ouais. Attendez, je vais juste parler à mon manager vite fait. Sur Skype en même temps. Comme ça, Attendez, je vais lui parler vite fait. Par contre, les refs, si vous voulez, en fait, les frères et sœurs, il y aura pas mal de cadeaux à gagner déjà pour les abonnés YouTube. Ceux qui sont abonnés sur YouTube et tout, il y aura pas mal de cadeaux à gagner sur vous, enfin, pour vous aussi sur Twitter et tout. Et il y aura pas mal de cadeaux à gagner normalement pour les gens qui me suivent aussi sur Twitch. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis passé en partenariat avec. Enfin, je suis en partenariat avec SteelGamer depuis un bon petit moment. Et normalement, des fois, on vous fera des petits trucs, des petits concours et tout, des petits trucs sympatoches, quoi. Donc, voilà, on fera des trucs sympas, sympas. Bébé, dans le titre, tu t'es trompé. Pourquoi? Parce que t'as marqué un colis presque plus grand que moi, mais t'as oublié de dire que je le représentais. Je t'ai dit, je marque ça ou pas? Tu m'as dit non, mais juste un colis. Fais passer pour un trou du cul devant tout le monde, là, Mais j'ai si, jamais dit parce ça. que en J'ai fait, on jamais avait dit ça, choisi j'ai un jamais titre dit ça. après, tu m'as dit il faut mettre ça. Du coup, moi j'ai mis ça et je t'ai dit je mets le début et J'ai après, jamais du dit ça. coup. Bref. Je voulais juste leur dire qu'il y avait un colis qui allait arriver sur la chaîne. Leur parler un peu. Salut, tonton, tu connais Chambéry? Chambéry, non, je connais. Enfin, si, je connais, c'est à côté de Grenoble. C'est pas loin de Grenoble, ça. C'est un quoi ton micro? Mon micro, c'est un micro-rod de chez NT. Enfin, micro-rod NT-USB. Attends, je vais bannir les mecs là qui font des spam émoticônes. Allez, ça dégage. Et ça dégage. Comment on fait un don? Ouais, j'en ai une autre aussi. Comment te dire? Juste, je sais pas si tu vois le chat. Le chat, juste en bas, il y a un S de dollar avec un smile à côté, en fait, si tu veux. Juste là, regarde, je te montre. T'as déjà vu ça? Là, il y a le chat. Eh ben, c'est là pour faire un don, tu vois. Mais comment on prend, c'est quoi Avec le S de dollar. Par contre, vous êtes trop rapide, les gars, dans le chat. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il est pratiquement inlisable le chat, inlisable. Coucou, je t'aime, je suis un grand fan, merci beaucoup mon grand. Je suis de Grenoble aussi, vive Grenoble. Ah bah attends, c'est beau Grenoble, c'est mignon. Bon, à part les mecs là, avec leur fanfaron là, je sais pas quoi, ils nous ont Tu peux pété pas le mettre en crâne français? pendant 2 heures là. Oh, laissez tomber.
Ah non, parce que je me suis réveillé là, il était 15h, 15h30, je pense que vous voyez que j'ai encore des petits yeux là, j'ai les yeux d'un mec qui vient de se réveiller il y a pas longtemps. Laissez tomber, mon téléphone il a bugué dans la nuit, il n'y avait plus de batterie. En fait, il a mis à charger, c'est mon gonien de téléphone, il a bugué, il a même pas chargé. Et du coup, en fait, il s'est éteint dans la nuit. Hier, tu sais, je regarde le téléphone, je vois, putain, je me dis, putain, il reste 7%. Je donne le téléphone à l'IA, je lui dis, mets-le à charger. En fait, le téléphone, il a eu un vieux putain de bug là, il a pas chargé en fait. Et en fait, ah, bah, il s'est éteint. Du coup, super, j'ai pas pu me réveiller. Parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, à 15h, non, à 15h, il y avait un film, John Wayne, je sais pas si vous connaissez. C'est ça, c'est John Wayne, hein? C'est ça, c'est John Wayne? Allô? John Wick ou un truc comme ça, ouais, John Wick. John Wick, il y avait un film de John Wick, la suite en fait. Et hier, mon pote, il m'a dit, ouais, on va aller mater ça au cinéma et tout, il est trop bien. Il m'a montré des extraits, j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, il est magnifique, j'ai regardé le 1 du coup. Et en m'endormant, en fait, j'ai mis le réveil pour aller voir bah, le 2 tout à l'heure avec lui. On devait aller au cinéma tout à l'heure normalement. Là, normalement, ouais, je serais déjà de retour du cinéma normalement. On avait, je crois, l'horaire de 15h05. On devait y aller. Et fais chier, connard de téléphone qui bug. Voilà. Tous des problèmes avec ces putains de connards de téléphone. Que ça soit Apple, Samsung, tous des connards qui se foutent de notre gueule. Ouais. C'est où Grenoble? Grenoble, c'est où? Grenoble, en fait, je sais pas si tu connais Lyon, mais c'est juste un peu plus bas. Juste un peu plus bas que Lyon, tu vois. Je sais pas si tu connais Lyon, frérot, mais c'est juste un peu plus bas, quoi. On n'est pas loin, en fait, de l'Italie, à Grenoble. Bébé, Oui. on peut pas jouer à plusieurs. Tant C'est que pis, du hein. solo. Au moins, tu testes le jeu, hein. Tu connais l'université de Grenoble? Ouais, je la connais, je la connais. Avant, quand je faisais de la livraison, justement, j'allais beaucoup livrer là-bas et je sais que la plupart de nos clients, c'était justement des mecs de là-bas, hein. Des mecs de l'université, c'était eux qui faisaient tourner les boîtes, hein. C'est eux qui faisaient tout tourner carrément. Salut, 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 salut mon grand, salut. Oui, bah ce soir en live, hein, 21h30 en live sur Twitch comme d'habitude. Comme d'habitude, loup. Sauf que Twitch, c'est vraiment beaucoup plus calme que YouTube, c'est plus facile à gérer. YouTube, c'est. Le chat est trop dangereux, tu vois, le chat est trop chaud, tu vois. Les gens sont pratiquement incontrôlables et ils en profitent un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, les gens, c'est. Hey, t'as des gens de tout âge. T'as des gamins, frère, ils ont 8 piges, tu sais, ils arrivent sur le live et ils mettent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, tu vois. Forcément, tu sais, t'as des gens de tout âge. Et t'as des gens qui parlent pour rien dire, en fait, tu vois. T'as des gens qui posent des questions, qui parlent, qui disent bonjour, qui disent bonsoir, tu vois, des gens de bonne famille. Et t'en as d'autres qui disent de tout, n'importe quoi, juste pour écrire quelque chose dans le chat, tu vois, c'est. Les paysans normands, merci beaucoup pour les 2 €. Je t'aime, tonton, continue comme ça. Merci, mon pote. Putain, j'ai acheté enfin un paquet de mouchoirs. Putain. Ça va me faire du bien, ça. Bon. Alors, tac, 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 tac. Tu vas à Grenoble des fois? Bah, j'y habite. Non, pas Twitch, je peux pas y aller dessus, Gimix. Bah, Anna, tu sais, ma grande, moi, ça fait, je vais te dire, ça fait 2 ans que je stream sur Twitch tous les jours. Avant, on pouvait pas stream sur YouTube. Là, la personne qui m'a montré comment stream sur YouTube et qui m'a donné la possibilité de streamer sur YouTube, c'est Jawed, c'est Zekiri qui m'avait montré comment faire, tu vois. Sinon, je streamerais même pas sur YouTube. Là, je serais en train de jouer solo, je serais même pas en train de jouer avec vous en live. Là, on va aller lancer un petit jeu vite fait. Mais je veux dire, c'est lui qui m'a montré comment live. Mais sinon, moi, ça fait 2 ans que je stream sur Twitch tous les jours, à peu près de 21h à 21h30. Je commence entre 21h et 21h30. Après, je vais jusqu'à 3-4h du matin, tu vois.
Et ça depuis 2 ans, tu vois. Donc je vais pas arrêter juste parce que tu peux pas venir, ma grande. Normalement, tu peux venir sur Twitch, hein. Twitch n'est pas plus interdit que YouTube, bien au contraire. Il y a beaucoup moins de foufous, il y a beaucoup moins de cons, il y a beaucoup moins de spam, il y a beaucoup moins d'insultes parce que c'est plus contrôlé. Il y a beaucoup, bah, il y a pas de streamers chelous. Bon, il y a des streamers chelous des fois, hein, mais bon, c'est rare, je veux dire, c'est pas chez nous, quoi. C'est souvent des streameuses américaines qui sont chelous. Je veux dire, nous, c'est calme en France, quoi, au niveau de Twitch, hein, c'est même plus propre que YouTube, hein. Sur Twitch, tu trouves pas des têtes décapitées, des trucs chelous, hein, c'est pas Facebook, hein. Ah, je sais que s'il y avait quelque chose à interdire à mon fils, ça serait Facebook, et s'il y avait quelque chose à lui dire où il pouvait aller, c'était Twitch, hein. Twitch, y a plein de trucs, c'est surveillé, c'est propre. Je veux dire, tu peux rien faire sur Twitch, tu vois. T'es juste là pour jouer, pour t'amuser, pour regarder des gamers, et c'est tout, quoi. Twitch, c'est la base, hein. C'est la base, Twitch. Voilà, je suis à 4h33 minutes. Ah, de chez moi, 462 km de Grenoble. Ah, t'as de la route, hein. Bon, on va aller jouer, je pense là. Tu connais Roubaix? Bah oui, je connais Roubaix, bien sûr. Il y a tous les racailloux là-bas, il y a plein de racailloux. Bon. Momo! Viens, on fait des 1v1 là. D'ailleurs, merci, hein. Putain, vous êtes juste énorme pour le projet à Tata. J'ai vu sa chaîne, je sais même pas. Attendez, merde. Je sais même pas, elle a combien sa chaîne d'abonnés, mais je crois qu'elle est pratiquement aux 100 000. C'est juste ouf, merci à vous. Merci vraiment à vous. Elle va vous faire d'ailleurs une vidéo pour vous parler sur sa chaîne à elle. Voilà. Ouais, elle a... Putain, elle est... Attendez. En direct, ta chaîne, elle a combien d'IA? 91 000, non? Ça marque là 89 000, mais quand je vais voir les abonnés en direct, ça va être à 91 000. Franchement, j'aime pas du tout. Hein? J'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Ah, j'aime pas du tout. En plus, dans la bêta, la bêta, elle est en Bah anglais. en fait non, parce que en fait mon grand, si tu te désabonnes de la chaîne de n'importe quel youtubeur, si tu te rabonnes, ça comptabilisera que t'es abonné depuis un jour. Je veux dire, t'es abonné à une chaîne depuis 10 ans, tu ne peux pas prouver au youtubeur que t'es abonné depuis 10 ans à sa chaîne si tu t'es désabonné il y a un jour. Si tu t'es désabonné il y a un jour et que tu t'es rabonné, ça compte que t'es abonné à lui depuis un an. Depuis un jour, c'est tout. Donc c'est pour ça, moi ça me fait doucement rire quand je voyais des mecs, quand j'allais atteindre le million, ils se désabonnaient après. Bizarrement, j'ai vu plein de gens se désabonner pour me faire chier pour le million. Et après, quand j'ai passé le million, eh ben, ils se sont tous rabonnés. Mais le truc qui est dommage, c'est que de 1, ils ont disparu dans la comptabilisation des abonnés les plus actifs. Et 2, ils ont disparu dans la comptabilisation des abonnés les plus anciens. Tu l'as dans l'os, comme on dit. T'as aucune preuve que t'es abonné à moi depuis un siècle. Et t'as aucune preuve que tu me suis depuis très longtemps et que t'es actif. T'as plus aucune preuve, tu viens de tout remettre à zéro tes stats, tu vois. Mystère, merci beaucoup pour les 5 euros, frère. Coucou, frère, je suis débutant sur YouTube. Je veux savoir si je peux te contacter. Je fais des vidéos sur ma. Sur ma quoi? Vision de la vie. Car je suis handicapé. Oui, tu peux me contacter, gros. Normalement, tu peux quand même venir me voir sur Twitter. Sur Twitter, je suis assez accessible. Mais là où tu pourras vraiment venir parler avec moi tranquillement, c'est sur la chaîne Twitch. Tu pourras venir si tu veux. Là, c'est le chat est beaucoup plus calme, tu vois. C'est beaucoup plus tranquillou, tu vois. Surtout vers les. Franchement, vers les 1h, 2h du matin, le chat est vraiment calme, tu vois. Vraiment calme. Merci beaucoup à toi, frère, en tout cas, et merci beaucoup pour ton nom, et bon courage à toi, frère. Merci. Allez, ramène une chaise, je vais te casser la tête à toi. On va aller faire des petits 1 contre 1. Tu Black Ops 3? Non, pas de Black Ops 3. T'as vu, peut-être ton live il est en bleu depuis tout à l'heure. En bleu. En vert, tu veux En dire. vert, pardon. Y'a personne sur le test là? Bonjour. Alors, vas-y, rentre dans l'objectif, hein, frère. Wesh.
Il est à côté comme un invité, oui. Ça va? Bon, du coup, attends. Tac, 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 Je vais faire tac. des 1v1. Ouais. Sur quel jeu? On va faire un petit peu Abby, sur tout. tu peux leur proposer quoi comme jeu? Arc. Oh, c'est trop bien. Et le mec, il vient de découvrir le jeu, tu sais. Je pense que les abonnés le connaissent depuis bien longtemps. Il jouait sur PC avant, Makusan, merci beaucoup pour les 2 euros. Mec, tu peux t'abonner à ma chaîne. Sinon, continue. Écoute, mec, j'irai jeter un coup d'œil, mais m'abonner à une chaîne juste comme ça, tu sais, pour te faire plaisir. Bah, c'est pas ça normalement YouTube, tu vois. Je regarde si j'aime ton contenu, oui. Mais tu fais quoi comme style de vidéo? Je vais voir ce que tu fais un peu. Je sais même pas comment on fait pour ouvrir le truc. Ah, c'est par là, je crois. Ouais, je disais. T'es niveau combien? Je suis niveau 4. Hein? Je suis niveau 4, moi. Ouais. Ah, tu fais des trucs de review d'épisodes et tout de Dragon Ball. Franchement, je suis pas. Je suis Dragon Ball, tu vois, j'aime bien et tout, mais je regarde pas trop les reviews et tout ça, tu vois. Mais s'il y en a qui sont intéressés, les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Ouais. Makusan. Tu joues? Tous ceux qui aiment Dragon Ball, vous allez être servis, je pense. N'hésitez pas, les gars, à aller voir sa chaîne. Tu joues? Ouais, bah je voulais vous remercier pour le nombre qu'on est, mais on peut pas Merci. même pas voir combien on est au total. Enfin, on a été au total. En tout cas, les refs, comme d'habitude, si vous aimez les lives, hein, explosez les likes là. On peut plus voir combien on est, hein, au total, hein. Merci. Non. On peut plus voir, j'ai l'impression. Je disais. 33 000. C'est là, là? Vision sur la page de lecture? C'est où? Plus haut. Ah, refresh ta page. Je refresh cette page. T'es sûr? C'est un bug YouTube ou quoi? Non, je vais pas faire un large, je vais R6. C'est un bug Voilà. YouTube. Ah ouais, il y avait un bug. Je voyais pas ça et tout. Tu viens pas Ah ouais, maintenant? ça a bugué ce Ah truc ouais, à la con. c'est normal. Ouais, mais tu viens pas. Ouais, ça a bugué. Ça a bugué bêtement, wesh. Abdel Seeker, il t'a fait 2 euros. Ah, il a. Ouais. Ah, il a refait? Bah non, il les a fait tout à l'heure. Après, il y a les paysans. Tu l'as vu? Oui, T'as j'ai regardé vu. tout ça? Mais j'ai vu. Oh, je suis bigleux. Elle m'énerve, cette femme-là. Bon. T'es prêt? C'est moi qui dois te demander si tu es prêt, frère. Bah oui, moi je suis prêt. C'est toi qui dois être prêt, frère. Moi, je vais t'éclater, frère. Il y a pas de pro sur R6. C'est toi qui dois être prêt, frère. Elle marche la manette? Est-ce que t'es prêt, frère? Ouais, elle marche la manette? Elle marche la manette? Ouais, elle marche. Non, elle marche pas, celle-là. Prends une autre. Y a pas d'autre. Attends, je prends un petit peu d'huile, hein. Je peux prendre On va celle-là. chercher la manette. La mienne? Elle marche Elle est pas. déchargée. Qu'est-ce que tu comprends pas dans elle marche pas? C'est le L ou marche ou Bah tu la pas? charges, il y a un fil. Il est con, hein. Vas-y, joue Il me là-bas. dit, je peux prendre ta manette là, dorée là, la couleur or là, Sur le de chez mur. Burn. Je lui dis, elle marche pas. Il marche pas. La manette Ça marche de Burn, pas. heureusement, j'étais partenaire avec eux. Sinon, la manette, c'est combien elle coûtait? 180 balles. Vous savez combien elle a marché? 5 mois. Elle est là, hein. Tu dis, elle est belle, elle est magnifique. Mais regarde, regarde, elle a pris la poussière tellement, regarde. Vous voyez ou pas? Je vous le prouve que je joue plus avec, regardez. Elle a pris la poussière, frérot. Est-ce que regarde? Elle a pris la poussière. Tellement je joue pas avec. Regarde Momo sur le live si tu veux, regarde. Ah ouais. Voilà. Vous voyez? Et c'est une très belle manette normalement. À l'origine, c'est une manette magnifique. Mais bon, pour avoir une manette magnifique comme ça qui marche 5 mois, je me dis heureusement que je l'ai pas payé 180 euros parce que je crois que je me serais coupé une couille. Hein, et je serais allé la revendre au marché là. La mienne, elle marche plus aussi. Pour ça que les partenaires manettes, Merci pour je suis plus trop avec. Hein. T'en compte, un pauvre abonné, il aurait fait payer à sa mère une manette 180 balles parce qu'il aurait vu que j'étais partenaire avec telle ou telle marque de manette et la manette, elle aurait lâché au bout de 6 mois, le petit. C'est pas pour dire, hein, mais ça fait un peu mal, quoi. Passe-moi un fil. De quoi? Passe-moi en quoi? Un fil. Ah, un fil. Hop. De quoi? Ça, j'enlève, j'aime pas là, ça me fait mal dès que je joue. Hop. Voilà. Bien sûr.
Le mec cherche des amis, il a dit quoi? Envoyez vos numéros. Wesh mec, tu es sérieux ou quoi? Tu crois que les gens vont te mettre leur numéro comme ça ou quoi? Momo, te coupe pas sur mon compte, hein. Quand tu mets en manette, tu mets manette ton compte à toi. Bah oui, ça le donne. Tu veux m'affronter sur Code 4, hein? Non, on avait dit Black Ops 3. On a jamais dit. Mais on s'affronte sur R6. On peut pas s'affronter sur R6. Dommage. T'as de la chance, t'as de la chance. Léa, on peut s'affronter sur R6, non? Si. Ouh! Un contre un? Ah non, mais c'est 20, ouais, mais il faut avoir chacun sa console. Vas-y, j'ai R6 moi là-bas. Mais faut qu'il ait son équipe, il faut que j'ai la mienne. Mmh. Eh oui. C'est marrant. Après, tu peux faire un contre un. Hein. Vas-y, viens s'affronter sur R6. Mais comment t'as R6 toi? Ah non, mais j'ai pas le disque, mais t'as compris ton disque, c'est le jeu sur le jeu. Il est con lui, hein. Ah non, c'est toi qui l'as téléchargé, pardon, c'est toi. Non, mais je crois que c'est lui qui l'a. Il est con ce gosse, il est con. C'est bon, Marie, je t'ai envoyé un message. Oh non, j'aurais voulu t'affronter sur R6 là. Allez, ta bouche et viens te faire casser la tête là. Je te montre ce que c'est R6. Tu vas m'affronter sur FIFA après? Non, non. Vas-y, FIFA, vas-y. Et tu prends une équipe de nul et moi je prends une équipe hyper fort, ok? Vas-y, vas-y. Je prendrai une équipe de nul et toi tu prendras une équipe hyper, hyper fort. On fait un call-off du coup pour les abonnés, après on va faire un FIFA. Et après on va faire un GTA si tu veux. Oh non. Quoi non? GTA? Ouais, c'est nul, on a pas de micro. Oh, toujours en train de râler souvent. On peut pas arrêter de râler ce petit con. C'est bon, je... Putain, mais Momo, t'es con, je suis en train de brancher le fil, je t'ai dit que j'avais le fil. D'accord. Tu mets ton écran de jeu? Ouais, il est là, mon écran de jeu, en fait, il est à gauche. J'ai deux écrans, en fait, j'ai grand écran où j'ai votre chat à vous, où je peux vous lire. C'est en plus mon écran PC, et là, j'ai un écran chat. Enfin, un écran jeu PlayStation 4. Et en fait, quand je joue à l'ordinateur, c'est l'inverse. Mon chat Twitch, quand je suis sur Twitch, parce que la plupart du temps, je suis sur Twitch. Mon chat Twitch et mon OBS de Twitch, je le mets sur cet écran là, donc l'écran PlayStation 4. Et moi je joue à l'ordinateur sur le grand écran, voilà. Si tu voulais que je t'explique vite fait un peu comment ça se passe. Momo Malt. T'es prêt mon gars? Call of Duty Affiliate, t'as lancé... Ah non c'est bon, ok. Non, non, code cal. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je te fais la game. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de faire des choses comme ça en mode bas les couilles. Fais juste correctement Momo. Putain. Je voulais préparer la game. Non mais fais les choses correctement. Tu fais les choses, tu fais n'importe quoi. Précipite. Tu joues avec ta manette toi. Et toi c'est pas ta manette? Bah oui, c'est... toi tu joues avec celle-là, moi je joue avec celle-là. Oui. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con. Vas-y Marie, donne-moi ton casque. Je t'entends, tu sais. J'ai rien dit. Tu sais, t'as dit mais qu'est-ce qu'il est con. Non, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est beau gosse. Attendez, je baisse le son les refs quand même. Pas vous foutre ça dans les oreilles. Les gars, en tout cas, franchement, vous êtes radins là, au niveau des likes. Hein. Vous êtes radins. Hein. Vous êtes radis nous. Hein. Vous êtes radigou là en termes de likes. Hein. Machin like, regarde, machin like. Machin like. Bon. Dark, merci beaucoup pour les 2€ frérot, merci beaucoup. Je t'aime tonton, merci Rouillard, moi aussi je t'aime. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu m'aimes pas, Rouillard, normal que je t'aime pas après, tu vois, c'est pas un problème. Mais si tu m'aimes, y a pas de problème, ça fait plaisir. Tac, 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 tac. Zig, merci pour l'1€. Merci. Spigang, merci pour l'1€ frérot. Et Dark Asus, merci pour les 2€ ma petite gueule. Merci beaucoup pour les 2 balles, merci. Merci frérot. Tac, tac, tac. Allez les refs, on a 5900 likes. On met les 6000. On met les 6000. Il y en a certains, on leur a dit vous êtes radins en like, ils ont mis des dislikes mon frère. Merci à vous. Merci à vous, ô belle humanité. Merci à vous, ô l'humanité qui aide son prochain à se développer. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, ô belle consanguinité. Oh, les dislikers, pardon. Ô belle personne qui dislike.
Ouais, ceux-là, tu leur dis, s'il vous plaît, mettez des likes, on compte sur vous, ils mettent un dislike exprès pour faire chier, tu sais. Ça, c'est les consanguins, ça, ils ont fait, ils ont fêté la Saint-Valentin tous en famille, tu vois, ceux-là, tu vois, c'est pas possible, ceux-là, c'est. Ils ont fêté la Saint-Valentin tous ensemble, tu vois. Papa et maman, ils sont frères et sœurs, donc. Normal, hein. Je suis à La Réunion, papa, papa, il fait chaud, toi, hein. Il doit faire bon chez toi, hein. Je sais pas s'il fait bon à La Réunion, mais. Likes, 6500 likes. Merci à tous les likers, merci à vous. Merci à ce qu'ils ont là, c'est un pouce bleu là, merci beaucoup là. Coucou tonton, Momo, Elia, coucou frérot, coucou. Non, c'est pas ça, c'est pas que. Ah, attention, faut pas prendre les dislikes pour quelque chose de mauvais. Les dislikes, bien sûr que ça doit être là aussi, c'est pour dire que t'as aimé le contenu ou pas, mais c'est pour souvent aider les youtubeurs, tu vois. Quand tu mets un dislike, c'est parce que t'as pas aimé quelque chose. Mais de préférence, au lieu de mettre un dislike, tu vois, justement, tu dis ce qui va ou ce qui va pas. Tu vois, ça aide encore mieux. Parce qu'un dislike, quand tu mets un dislike, on comprend pas ce que tu veux dire. On peut pas. La cam est mauvaise. Quoi dire? Pourquoi tu vois comme ça? Non, parce que je suis bien là, parce que je suis sur le truc YouTube Gaming là. Parce que tu sais, quand tu mets un dislike, normalement t'as une bonne raison, tu vois. Mais le truc, c'est que quand tu dis aux gens, mettez des likes, on compte sur vous, ça fait plaisir et tout, ça fait du bien et tout, ça fait toujours plaisir, ça aide et ça fait vraiment plaisir de ouf, vous savez pas à quel point. T'as des gens exprès juste pour te faire chier, tu sais, ils mettent des dislikes et tu dis, voilà où il en est l'homme aujourd'hui. Il en est à toujours vouloir faire chier son prochain. Quand son prochain demande juste de l'aide ou qu'il demande juste un truc pour lui faire plaisir qui fait toujours du bien, bah t'as l'autre qui fait exprès de disliker, tu vois, juste pour justement faire du mal. Et tu te dis, mais quelle triste humanité! Quelle triste humanité! Juste pour faire exprès, tu sais, tu vois, le truc tac 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 monter, tu vois. Mais tu vois bien, tu te dis après, bon, c'est des gamins, ils ont 8 piges, 10 piges, certains. 10 piges encore, vous êtes pas des gamins, vous commencez à devenir des petits gars quand même, tu vois. Mais je veux dire, certains, ils ont 7 piges, 6 piges. Ils tombent sur ton live, tu demandes des likes, ils vont te disliker, c'est normal, tu vois, c'est normal. Mais tu te dis, bon, un dislike, tu vois, ça veut rien dire. Si t'aimes pas la couleur de la cam ou la qualité de la cam, en dislikant, le youtubeur ne pourra pas comprendre ce que tu veux, tu vois. En disant par exemple la cam est mauvaise ou de mauvaise qualité, là il comprend. Et là justement il peut améliorer la chose. Donc ce que je veux dire c'est que un commentaire est beaucoup plus important qu'un like ou même un dislike la plupart du temps. Ça aide mieux. Parce que même un like, quand t'aimes quelque chose, on comprend pas. Mais au moins des fois quand je fais un style de contenu et quand je dis si vous aimez les gars, mettez un maximum de likes. Quand j'arrive et que je vois le contenu, il y a eu 3000 likes, je me dis ah ouais, ouais ils ont pas trop aimé, hein. Quand j'arrive sur le contenu, je vois 20 000 likes. Tu te dis, oh putain, ah ouais, ils ont complètement aimé ça, tu vois. Et donc, c'est à partir de là, en fait, où tu peux te dire, ah, la communauté, ma communauté, elle kiffe ou elle kiffe pas, tu vois. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où tu peux savoir. Et sans forcément lire les commentaires, c'est simple. Tu demandes à tes abonnés s'ils kiffent, ils mettent des likes. Bah, s'ils kiffent pas, ils mettent pas de likes, tu vois. C'est comme je le dis souvent sur mes vidéos. Tu kiffes, mets un like. Si t'aimes pas, bah, tu mets rien, tu vois. Et c'est pas un problème. Mais au moins, tu sais, quand t'arrives sur une vidéo et que tu vois 10 000 likes, que tu vas sur l'autre et que tu vois 50 000 likes, tu la sens la grosse différence. Tu sens ce qui a plu à tes abonnés et ce qui ne leur a pas plu. Et là, t'as même pas besoin de lire les commentaires. Tu vois qu'il y a 30 000 likes et 10 000. Tu vois la différence et tu vois ce qui est apprécié et pas apprécié. Tu te dis, bon, je fais une série, elle fait 10 000 likes. J'en fais une autre, elle fait 100 000 likes. Tu te dis, bon, entre 10 000 et 100 000, il y a quand même une sacrée marge de différence. Hein, les gens ont vraiment plus kiffé, quoi, tu vois. Et donc, forcément, quand on fait des lives, quand on dit, ouais, mettez des likes, les frères, ça fait plaisir et tout. Forcément, quand les gens ils mettent des masses likes, ça fait super plaisir. Après, quand il y a des gens qui mettent des dislikes pour essayer de t'emmerder, c'est encore triste quoi. Je veux dire, j'ai 1 million d'abonnés, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, ça fait 3-4 piges. J'emmerde personne, on fait rien de mal, tu vois. On fait notre vie, on vit. Il y en a certains, c'est encore des merdeux, ils sont encore en train d'essayer de faire chier les gens avec des dislikes. Vous êtes encore petit dans votre tête, c'est juste pour vous dire ça, vous êtes encore petit dans votre tête. Vous êtes encore des. Des petits, wallah, c'est. Sortez-vous la tête du cul, hein, certains, hein. C'est pas méchant hein, qu'on vous dit ça. Hein. C'est juste pour vous qu'on vous le dit, hein. Sortez-vous la tête du cul, parce que la vie, elle va vous frapper très fort, putain. Elle va vous cogner, quoi. Elle va vous chicoter, quoi. Vous chicoter, quoi. Alors. Adèle, j'ai une question. Ouais. Faudrait que tu m'achètes une attelle. Attends, je banne quelqu'un vite fait. Parce qu'en fait, ce matin, ça se met pas dans je me suis levée, tu vois. Je me Voilà. suis fait mal. Et j'ai fait un faux geste. Et ça me fait trop mal. Tu t'as fait un faux geste où? Ce matin? Où? Genre j'ai tourné mon dos à 162. 160. Attends, arrête de jouer, arrête de jouer, arrête de jouer. T'es en train de tricher. T'as même pas ce pour bois, toi. Ah, mais laisse-moi mettre le truc aux abonnés. Ah, c'est comme ça, quand tu.
Merci en tout cas à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, hein, merci à vous. Merci aux 1 158 688 abonnés exactement, merci à vous. Merci aux 689, merci à vous, merci, merci à tous. Merci, ça fait plaisir. Bon, je vais vous mettre le jeu. Momo, si tu peux arrêter de tirer, s'il te plaît. Et me laisser mettre le jeu avant. Ah, c'est pas possible, il faut tout le temps te dire un truc. Hein. Tu redeviens de... En fait, tu deviens de pire en pire un gamin, tu vois. C'est un truc de ouf, t'évolues pas, en fait. Tu deviens de pire en pire. Faut dire de pire en pire les choses, en fait. Attends. Ah, voilà, c'est là. Voilà. Voilà les refs. Ouais, merci les gars, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui sont là, même ceux qui n'ont pas fait dedans, hein, c'est, ça veut rien dire les dons, merci juste, merci à juste aux donateurs, bien sûr quand même, merci à vous les donateurs, mais merci vraiment en tout cas à tous ceux qui nous font plaisir de leur présence, merci beaucoup. Attends. Merci à vous. Allez, on va y aller. Bonne chance. Bonne chance. Non, mais pas de voir, Abdel. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Tiens, c'est ça l'avantage. Musée général. On y va. Tu joues Masto? Ok, 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 ok. Putain, je me suis cru sur R6, j'ai bougé. Mais je joue pas Masto quand même, arrête. Mais je suis pas Masto, qu'est-ce que tu racontes pour moi? J'ai pris des classes qu'il y a. Ah bah t'es un Masto. Drone de reconnaissance en attente. Je viens à peine de me toucher. Oh, il est en train de perdre là les gars. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? T'as un masto, Abdel! Non, j'ai un masto! Regarde! Fais start! Choisir équipement! Changer d'équipement! Changer d'équipement! Attends! T'as un masto donc! Il est trop dur de faire! Je me change! C'est toi qui a fait les classes, mon petit gars! Eh bien cette arme ou pas? Les armes de merde. Tu m'attends viseur fixe, ça va, pas trop dur, hein. Ça va, c'est pas trop dur, hein, Abdel. Tu m'attends aussi, mon petit père. Je te dis ou pas que tu m'attends aussi? C'est devenu un pur rageux, je vais le tuer, ce gosse. Elle est chiante, par contre, cette arme. Putain, en silencieux, elle a aucune... Elle a pas de jus, tu vois. Elle est bien ton arme, hein. Pas mal. Bien joué. Ah oui, avec ça le petit truc, bien joué. Bah sur toi, tu veux la tester, vite fait pour voir. Ah ouais, non, t'as... Là par contre, t'as Masto, là t'abuses. Là... Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, Momo? J'ai pas Masto, arrête un peu tes conneries là. Ah merde, oui, si j'ai Masto. Mais comment ça fait, j'ai masto partout? Je sais pas, moi. Je vais mettre quelqu'un, je vais mettre des mastos. Ah, vas-y, j'ai changé. Celui qui fait les classes après. Après, il fait la victime là. Attends.
Bah ouais, le colis, il a pas été ouvert. Il se revoit en vidéo, c'est ça? Ouais. En fait, disons-le, t'entends, c'est un petit peu trempé dans le tchit, tu vois. Ah, c'est un petit peu trempé dans le tchit, tiens. En fait, le but c'est de vous présenter le colis, de vous dire qu'il y avait un colis qui va bientôt être ouvert en vidéo, mais on voulait pas l'ouvrir aujourd'hui. Parce que mon partenaire doit aussi m'aider en fait à le régler le colis, parce que vous verrez ce que c'est. Ça se règle en fait, vous verrez bien. En fait, il y a un truc qui se règle et tout, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas ouvert maintenant tout de suite. Là, je voulais juste vous le présenter en fait. Au début, je voulais lancer un petit live tranquille. Et bah, je voulais juste vous dire que j'avais un colis qui allait être ouvert sur la chaîne, et puis voilà, c'est tout quoi. Je voulais juste vous dire, il y a du lourd qui va arriver. Et je pense que vous allez vraiment kiffer le colis, vous allez voir, c'est un truc très spécial, vraiment très spécial. C'est vraiment sympa. C'est la fête ou non? La P90, je crois. Elle est vraiment lourde, ouais. Oh putain, elle est lourde ta P90. Je vais avoir du mal. Ah bah t'as failli ne pas faire l'enfeu avec hein. T'as pas fait l'enfeu avec. Ah tu fais genre il est où pour rester campé derrière toi pour que je vienne sur toi, tu me prends pour un con toi. Est-ce que tu faisais petit coup de le garder là encore hein. Il a compris la technique. Ouais bah oui j'ai compris la technique, tu fais croire que tu sais pas où je suis pour que je vienne nous tuer. Pour un con. Mais. Les gars, par contre, les subs, évitez de spam quand je vous dis les mecs, quand je vous ai ajouté en ami, je vous ai dit évitez d'envoyer des messages, les gars. On vous l'a dit, les gars, évitez d'envoyer des messages pendant qu'on joue et tout, les gars. Le terme. On vous l'a dit quand je vous ai ajouté en ami en plus. Putain. Tu vois, là, je me prends des morts parce qu'il y a des mecs qui envoient des messages, ils abusent, tu vois. Bah, des abonnés qu'on a ajoutés sur le TeamSpeak. Non, vas-y, joue. Après, ils vont se plaindre qu'on va les tuer. Ça va en combien? 30, je crois. Attends, je suis où? J'avais oublié où j'étais. Non, j'avais oublié où j'étais, voilà, j'ai oublié où j'étais. J'étais paumé. Après, c'est moi qui attends, quoi. Mec, c'est pas terrible ton truc, hein. Il est pas arrivé le jour où tu me gagneras encore sur ce jeu. 21, 21. Il s'améliore. Ouais, non, 21, parce que monsieur a commencé à faire quoi? Non, il a pas. Regarde, masto, regarde. Non, non. T'as pris le masto après. On a tous les deux masto, regarde. Ah non. Toi, t'avais masto. Non, j'avais pas là. Trou du cul. Ah, dans la P90, t'avais pas. Et moi, dans l'arme, il faisait tic, tic, tic. La G4, j'avais pas. Donc, c'est un peu. GG Momo. Merci. Ouais, le mec il arrive à dire qu'un GG Momo, tu sais. Il m'a dit GG, il est gentil, hein. Bah oui, il est gentil. GG tonton. Parce qu'il est gentil, dit GG Momo, mais tu mérites pas un GG Momo. Si, c'était du 21 à 25. La prochaine, c'est la bonne. Tu mérites un ouh, Momo, ouh. Pas ce que tu mérites. Et encore, tu mérites même pas ça avec ta tête. Allez, viens, on va sur R6. Ta tête de pizza là. Je suis pas une pizza. Tu ressembles à une pizza. Tu voulais pas m'affronter sur Black Ops 3? Allez, vas-y. Que je t'humilie vite fait. Quoi? Oh, ça va être compliqué. Vas-y, non, sniper. Juste pour le délire. Non, commence pas. J'ai pas joué depuis 15 ans, frère. Moi, je prends sniper. Toi, tu prends ce que tu veux, je prends sniper. Si tu gagnes. Ouais, vas-y, campe avec ton sniper. Campe pas, par contre. Ah, mais je le vois déjà en train de planquer au fond. Je campe pas. Je temporise. Ça veut dire que je fais des tours. C'est dégueulasse, par contre. Par contre, Black Ops, c'est là où on saute dans ce jeu, là? Ouais. Ah ouais, putain. C'est dégueulasse de jouer comme ça. Ah, j'en ai marre de ces jeux-là, putain. Ils ont dégoûté. C'est pour ça que je fais des nuits. Ouais, donc la femme, c'est moi, c'est aussi. Non, je campe pas. Tu temporises. Temporiser, Momo, c'est ce qu'on dit pour éviter de dire qu'on. C'est même plus un temporisage, lui. C'est. Ouais,
Je fais ma pause goûter. Je suis derrière la voiture, je fais ma pause goûter. Allez, on reprend les potes. Allez, viens, viens. Ah putain. Par contre, je les trouve pas, ils sont en bas, non ? Allez voir tonton. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Oh, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ma pupus? Vas-y, fais un petit câlin. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, c'est ta manette, ça. Vas-y, je crée la game. En combien de points? 20? Mire, doucement, mon câble, mon micro, ma chérie, doucement. Bonjour aux abonnés. Ouais, mais quand tu vas jouer avec moi, tu joueras pas au terme. Evident, tu dis bonjour aux abonnés. Mais non, en attaque, je joue au school, je sais pas quoi là. Okay, c'est bon, je sais. Mirza, regarde, ils disent tous Mirza, regarde. Tiens, j'ai mis mon doigt dans ton nez là. Vous voulez qu'elle attaque Momo? Mets ta main, Momo, mets ta main. C'est normal, t'as embrassé tout à l'heure. Allez ma princesse, vas-y, file. Hop. Par contre, on va toujours rejoindre un local parce que les serveurs... Elle m'a griffé dans tous les sens. Les serveurs Call of ils sont pleins du coup. Connasse. Dark Asus, merci pour les 2€. Tonton, fais une pub pour ma chaîne. Bah les gars, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Dark Asus. Je pense qu'il doit faire des trucs. C'est parce qu'il doit faire des trucs de PC, là. Merci encore pour les 2€, Dark Asus. Merci encore pour les autres 2€. Et merci encore pour les autres 2€. Merci beaucoup frère, c'est gentil, merci, c'est gentil. En tout cas les gars, profitez-en, c'est rare que je fais des lives le samedi et je pense que j'en ferai pas trop souvent des lives le samedi. Hein. Parce que bon, le samedi, comme je vous ai dit, le samedi les refs, franchement, je vous dis la vérité, je ferai pas 3 vidéos maintenant. C'est fini les 3 vidéos. Les gars, en tout cas, les refs. Les frères et sœurs, n'hésitez vraiment pas en tout cas à mettre un masse like là. On est pratiquement 8000 likes, on le passe, ça ferait plaisir. Mettez un max de likes, je compte sur vous. De quoi? Il est niveau 6 sur... Ah, depuis hier je joue. Je sens que ce jeu il me plaît. Nuketown? Ouais, Nuketown, ouais. T'as fait les classes ou pas? Là non, personne n'a de classe. Attends. Tu veux rester comme ça? Y'a personne qui a des classes. Hein. Comment ça? Tu veux faire ta classe un peu? Vas-y. Fais. Non, mais fais-moi une classe, fais-nous les mêmes classes. Vas-y, je te fais les mêmes. T'as un phénix, t'abuses, frérot. 30? Hein? Vas-y, je vous fais la même classe. À la KN. Vas-y, la KN. Ouais, je pense. Je t'ai donné 100€. Tu m'as pas donné 100€, frérot, y'a pas eu à 200€ affichés. Ça bug pas YouTube, mec, hein. Au niveau des dons, YouTube t'inquiète pas, hein. Ils sont assurés que ça bugue pas. Hein. Il y a Twitch, fais le gaffe. Voilà. Oh non! Fais le gaffe et c'est moi qui ferai le Twitch. Ah, Snackless, ramène pas ça ici, s'il te plaît, Snackless. Et vite, frérot, ramène pas ça ici. 10 000 likes. Et les 10 000? Ah, on est à 8100, frérot. 8100. Mais les deux, on tente les 10 000 likes. Ah, on tente les. Ouais. Moi je le vois comme ça. 9-4 likes s'il te plaît ou s'il vous plaît. Merci Salim de les demander pour moi, c'est gentil Khouya, merci. Tonton prends le sniper, je suis nul Khouya au sniper, tonton c'est une merguez au sniper. Voilà je suis une saucisse de volet au sniper, je pue la merde. C'est plus une merguez ça, c'était caché. Voilà. Donner 90 ou 100€, ça m'étonnerait frérot. Tu m'as juste donné du mensonge. Du oh, mytho quoi. Ça va être ça, l'Abdel. Tu vas en tout cas merci les gars et les filles d'ailleurs pour les 3000, enfin pour les 8300 likes. Merci beaucoup. Vous êtes des amours quoi. Vous êtes des amours. Ouais non c'est... En fait si vous voulez samedi ouais c'est un peu chaud parce que bon... comment vous dire ça? Y a pas beaucoup de monde en fait. Ça, y'a pas beaucoup de monde. Choukla, tu as fait tes classes. Je sais pas à quoi tu joues. Dis-moi à quoi tu joues. Parce que je connais pas. À quoi je joue? Ouais, parce que moi, si je te fais des classes, je vais te faire des trucs à moi. Non, mais fais-moi les mêmes classes que toi, là, à peu près. Vas-y. Ok.
Que ça soit équilibré, que ça soit égal. Ok. Commence par vouloir tricher, j'ai mes abonnés qui regardent tout. T'inquiète pas. Les gars, si vous voyez qu'ils trichent dans les classes, vous me le dites, je le bombe. Mais non, je triche pas. Je te mets un tir rapide ou pas? Tu joues au tir rapide? Vas-y, au pire, tu sais quoi? Tu sais quoi? Laisse-moi faire ma classe, toi, avec ta tête. Le frère et soeur, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner en masse. Ce soir, on peut avoir les 1 60 000 abonnés, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis. Abonnez-vous, tous ceux qui sont pas abonnés. On est pratiquement déjà au 1 158 800 déjà, pratiquement 800 après les 900. Et après 1 159 000, ça ferait plaisir déjà. Ce soir, je pense aller au cinéma. Par contre, ce soir, je vous envoie un vlog qui est très lourd parce que j'ai retenté quelque chose vraiment pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Parce que beaucoup m'ont dit, tonton, je pense que. Vu comment tu t'es niqué l'épaule à la salle, tu retourneras plus. Bah, juste pour vous prouver que votre tonton était un courageux, je suis retourné à la salle hier avec mon pote et vous allez voir, j'ai bien travaillé. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec lui, vous allez voir. En fait, mon pote, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est le cousin à Bodytime. C'est le cousin à Alex de Bodytime, en fait. Et vraiment, il m'a régalé. On est allé à la salle ensemble, il y a Lia qui est venue avec nous, vous allez voir, j'ai vraiment bien bossé. Vous allez être fiers de votre tonton demain, vous allez voir. Il va me dire, c'est bien tonton, et c'est ça que j'ai envie de vous prouver, c'est que même quand dans la vie on se fait mal, il faut rien lâcher, et il faut quand même toujours continuer à faire des efforts. Même si on se fait mal, même si on a peur, dans la vie, il faut toujours battre sa peur. Moi j'avais peur, hein, parce que je vous jure, je suis allé au kiné, et il m'a dit, monsieur, votre épaule, elle demande qu'à ressortir en gros, parce que quand je me suis déboîté l'épaule, elle m'a dit, il faut la laisser se reposer. 10 jours. Ça fait même pas 10 jours, ça doit faire, ouais peut-être aller 19 jours, 10 ou 9 jours que je l'ai laissé se reposer. Pile poil, tu vois. Et là, bah, je prends le risque un tout petit peu de la retravailler un peu l'épaule, tu vois. Donc ce soir, vous allez avoir un vlog lourd. Tonton, père, t'inquiète pas, je vais tonton tu es mon bébé. Ah, d'accord. Je suis ton bébé, mec. Pas de soucis. Je suis ton tonton et je suis ton bébé à la fois. Pas de soucis. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre, Rouya. Mais y a pas de soucis. Si tu veux, je peux être ton bébé, y a pas de problème. Un petit peu chelou, mais y a pas de soucis. Lui, elle entend la redire. Ça va, c'est un mec, hein. Enfin, je crois que c'est un mec qui m'a dit, tonton, tu es mon bébé. Si c'est une fille, c'est vrai que là, ça va partir en couille. Hein. Ça va partir en tirage de cheveux, hein, je te le dis. C'est vrai. Ça va être chaud. Hein. Bon, invisible, c'est ça, non? Vas-y, je vous passe. Eh, vas-y, je sais même pas comment... Vas-y, mon frère, tu sais quoi? Vas-y, je fais même pas de classe. Vas-y, on voit. Vas-y. Toi, t'as fait tes classes, là, de Hatay, là. De... Ça, c'est à moi. Hatay. Ah, mais je suis sur tes classes, en fait, depuis tout à l'heure. Contre, non, attends. Eh, ma Momo, si tu campes, ça compte pas. T'es sérieux? Bah oui. Hein. Arrête, tu fais mes classes. Eh. Je te fais des classes pour toi, ça veut dire. Il s'est trompé de manette. Il a fait des classes. Vas-y, tiens, prends mon manette. Non, vas-y, fais tes classes là. Vas-y, je prends mon temps. Mais non, mais je joue pas. Mais oh. S'il te plaît. Joue. Ok, vas-y. J'allais jouer moi aussi, de toute façon. Je vais t'humilier devant les gens. Avec je vais t'humilier. Je vais t'humilier avec les gens qui classent. Tu sais, c'est toi. Merci pour les 1 158 800 abonnés. Vous êtes des amours. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Et pour ceux qui sont désabonnés, Inch'Allah, vous vous faites écraser par une poussette à 8 roues, bande d'enfoirés. Non, je rigole. De l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Et ça va, une poussette, ça fait pas mal. Hein. Ça va. Quand je dis poussette, ça me fait rappeler un peu à la Wii et à Mario. Et au bout d'un moment, je crois que dans Mario, à l'époque, vous vous rappelez Mario, le jeu de voiture, là, il y avait pas au bout d'un moment une poussette, je crois, en forme de voiture ou je sais pas, un truc comme ça. Tonton, t'es le sang, merci frérot. Merci. Attends, c'est. Putain, c'est pas avec le bas qu'on vit. Ouais. Bébé, démonte-le, ne le laisse pas camper parce que. Ah, mais je camper. T'es en haut, bébé? Ouais. Ça va, pas trop dur, hein. Alors, Momo, l'humiliation, c'est genre. Bah, vas-y, je vais camper. Tu m'énerves, je vais te casser la manette sur la tronche en live. Ça fera une bonne vidéo. Bah, buzz, tiens. Il m'énerve. Je veux même plus jouer avec lui à des jeux, tu vois. Il m'énerve. Je vais le chercher. Je lui casse les fesses, alors il commence à camper. Voilà la communauté d'aujourd'hui. C'est exactement ce qui reflète Call of Duty d'aujourd'hui. Tu leur casses le cul, ils campent. C'est un ancien joueur qui veut plus jouer au COD parce
parce que en fait le problème avec les codes les gars c'est que il y a de plus en plus de jeunes Ouais mais surtout ils passent leur vie dessus aussi. Tant mieux hein, je faisais ça aussi hein. Était agréable. Menace abattue. Parmi mon Dieu. Ah, dommage. Oups, désolé, flash. Attends, je recule. Vas-y, t'inquiète. Ah, le tir rapide, il fait tout hein, sur la Razorback. Un Twitch là. Ah dommage. Eh mais j'ai le seum. Ma Razorback c'est la vie pour moi. Putain, il tire travers, tu sais. Regarde, il tire déjà à travers quoi. Oh, mon dieu. Désolé. Ah bien joué. Ah par contre le flingue il m'a sauvé la vie, tu sais ou pas? Attends. J'avais rien d'autre. N'importe quoi. La hache. Travers avant même que je puisse arriver. Ouais. Putain. La nouvelle communauté Call of Duty, voici comment elle joue. Rien de bizarre dans ce que tu... comment tu joues. Tu trouves rien de bizarre dans ce que tu viens de faire? Regarde. Regarde bien le kill que tu viens de faire. Tu vises, t'attends, et tu tires quand je rentre. Voilà ce que... comment tu joues. Je viens te rusher, toi, tu m'attends à chaque fois. Là, j'ai rushé ou j'ai campé? Je savais pas comment te dire ce que t'as fait. Putain, c'est même pas mon objectif. Ah bien joué. Attends. Ah bien joué. Lourd. Vas-y les gars, je tente Kuda. Vas-y, qui tente rien n'a rien. Elle est pourrie, faut jamais jouer au Kuda. Moi je vous conseille jamais de jouer au Kuda. N'importe quoi. Tonton, défonce-le. Ah, mais dans ce jeu où il arrive à me défoncer entre guillemets parce qu'il a joué sa vie dans ce jeu, c'est tout. Dans le reste, mon pote il fait rien du tout. Dans le reste, il branche pas. Il y a que ce jeu-là parce qu'il sait comment anticiper, il sait comment il faut attendre, il sait comment il faut camper parce qu'il a des milliers d'heures de jeu dessus. Il a des milliers d'heures de jeu dessus. Il y a que dans ce jeu-là où il pourra me battre. Code 4, il arrive jamais à me battre. Il est où? Oui, il est là-bas. Plusieurs mecs, il sait pas et après, regarde. Wallah, il sait, regarde, t'as visé avant même que j'arrive, regarde. J'ai vu la maison orange. Oui. Parce que tu regardes sa carte. Moi j'ai vu tes chicots orange et pourtant j'ai pas tiré dessus. Non mais j'ai vu la maison orange, j'ai dit. C'est pour ça qu'il arrive pas à me battre dans les autres Call of Duty. C'est parce que dans les autres Call of Duty c'est pas futuriste comme cette merde là.
et W, je sais pas. Et il mate là. Mais oui, mais code 4, t'y arrives pas sur code 4, t'as l'impression que tu vois, mais tu vois, genre, tout ça. Bah, je sais pas, j'y arrive parce que c'est. T'arrives pas sur la vraie base des Call of Duty, t'arrives pas. Sur un jeu que tu joues tout le temps. Parce que IW, tu joues. Enfin, Black Ops, tu joues tout le temps. Mais code 4, tu connais presque pas la carte. Parce que tu joues jamais. Et donc, forcément, tu te fais casser le cul. T'as de la chance avec la voiture, si elle se répétait là. Je m'en voudrais vaincu le jour où t'arrives à me battre à code 4. La base des bases des Call of Duty, tous les abonnés te le diront. Oh, j'ai un petit drone. Il est où ? Soldat. Bien joué. Il me reste 2 kills, j'ai gagné. Menace abattue. J'ai gagné. Lance brisée. La petite roulette qui fait plaisir, tu vois. Ah, mais elle t'es fort, je te jure. Putain, le mec, je lui ai mis trop cher dans sa tronche, il est même pas mort. C'est abusé. Le dernier kill, je fais un beau kill, ok. J'ai rushé, enfin, j'ai pas entendu. Un bébé te rappelle, même moi sur code 4, j'ai défoncé Momo. Toi ? Oui, elle t'avait battu en vidéo. J'ai joué au couteau, j'ai été gentil. J'ai été gentil. T'as joué au couteau, t'as été gentil. Tu t'es fait défoncer, c'est toi. Non, j'étais gentil. Je suis pas un mec méchant, je gagne. Enfin, je gagne pas contre défi. C'est ça, ouais. Tu t'es fait malmener, c'est tout. Je suis gentil que toi. Je t'aime trop dire pour te. Alors, fais un code 4. Allez. Et n'essayez pas de m'affronter sur Rainbow Six, c'est mort. Et après, on refait un Black Ops 3 pour voir. Ah, bébé. Il me propose depuis tout à l'heure du R6. Il veut connaître un 10-0, je crois. Je sais pas, on tente. R6, je vais te malmener devant les abonnés, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Allez. Non, pas infinite, ça pue sa mère ce jeu. Oh. Cancérigène ce jeu, c'est pour ça qu'ils ont mis code 4 dessus. Juste pour que les gens l'achètent. D'ailleurs, ce qui a très bien marché pour eux. La preuve, hein. J'ai acheté infinite pour code 4. Ah, tu joues jamais Infinite ? Je joue jamais, je m'en bats les couilles ce jeu. Allez, ferme ta mère. Ah, tu kiffes. Moi, je kiffe pas l'arnaque, je kiffe pas qu'on me la mette dans le cul, tu vois. Allez. Hop, jouons un vrai Call of Duty, va. Voilà, ça, c'est un vrai Call of. Et même l'ancien, le Romain. It's Captain Mods, merci beaucoup pour les 2 dollars canadiens, frérot. Mister Game Mix, merci beaucoup pour les 2 euros ce soir. On peut jouer ensemble à Rainbow Six Siege. Bah, tu crois que t'es sur TeamSpeak, donc ouais, t'inquiète pas, ma poule, ça. Y'a pas de soucis. Mister Gamix, merci encore pour les 5€. On joue ensemble ce soir à Rainbow Six. T'inquiète, de toute façon, ce soir, on joue à Rainbow Six comme d'habitude. Tu me connais, je pense que c'est le time. Allez, on est reparti du coup. FIFA, s'il te plaît. Bah, on peut faire du GTA, les gars, hein, si vous voulez. Hein. Ça vous fait plaisir. On peut faire un GTA et un FIFA. Hein. On peut le faire, les refs, hein, c'est pas un problème. T'es un rageux. Ouais, t'as vu ça, je suis un rageux. Et toi, c'est vrai que t'es une victime, tu rages pas, toi. Hein. Toi qui es derrière ton écran qui me dit t'es un rageux, toi tu rages jamais, toi. Bah oui, donc toi t'es un bête parfait, toi. Toi tu rages jamais, toi. En même temps, après, si t'es un faible, t'as pas de nerfs, tu vois, c'est normal. Moi, je suis pas un faible, tu vois. Comme moi, comme beaucoup de viewers ici, on est des rageux. Parce qu'on est pas des faibles, justement. Parce qu'on est des nerveux, tu vois. Contrairement à toi, Jean-Kevin, on a un petit peu de nerfs, nous, au moins, tu vois. On est vivant, quoi. On a un petit peu de nerfs dans le sang, quoi. Toi, tu as du Sprite ta mère dans le sang. Sprite sa mère. Bon, allez, t'es chaud. Daran a mordu Sprite sa mère. Daran a mordu Sprite sa mère, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant et tout, c'est vrai. Oh. Non, mais ça détend le mode de jeu. Putain, je commence avec mon compte d'histoire. Ouais, ça va, mais j'aime bien la. Eh Abdel, y'a un souci, j'ai lancé code 4 sur mon compte. J'ai connu. Abdel, t'es qu'au niveau 12 dessus. C'est bizarre. Ah non, en fait. Non, c'est pas niveau 12. C'est moi. Attends, y'a eu un autre don de 5€, je crois. Monsieur Mifa, merci beaucoup pour les 5€. Salut, continue.
continue ce que tu fais, tu joues super. Tu pourrais me faire un peu de pub? Bah je t'en avais déjà fait monsieur Mifa. Mais s'il y en a qui veulent aller voir la chaîne de monsieur Mifa, je crois qu'il fait du Minecraft, donc n'hésitez pas à aller voir. Mister All People, merci beaucoup pour les 5€ mon poulet, merci beaucoup. Abonnez-vous pour me soutenir, j'ai beaucoup de moyens pour... Enfin, j'ai beaucoup de moyens pour débuter. Bah merci à toi Mister, les gars, si vous voulez aller voir Mister, n'hésitez pas à aller le voir. Mister, par contre je te respecte beaucoup. Est-ce que tu sais pourquoi je te respecte beaucoup? Parce que tu es une personne honnête. Parce que tu dis pas aux gens, ouais, je suis handicapé, venez me voir ou je sais pas quoi. Tu profites pas en fait de ton handicap pour sensibiliser les personnes et pour gagner des abonnés. Et je respecte ce que tu fais et comment tu le fais. Parce que j'ai pu voir sur YouTube certaines personnes handicapées qui profitaient en fait de la statue qu'ils avaient pour essayer de gagner des abonnés. Et je trouve ça dégueulasse de vouloir en fait utiliser sa propre maladie pour essayer de sensibiliser les personnes, pour essayer de gagner des abonnés. Je trouve ça en fait sale de profiter de sa maladie pour essayer de gagner des abonnés. Et toi justement, ce que je respecte, c'est que tu essayes de faire comme tout le monde, comme tous les gens font, de gagner des abonnés honnêtement, sans forcément t'apitoyer sur ton sort. Et vraiment, respect à toi mon pote. T'as vraiment respect. Parce que la plupart ils disent, ouais moi je suis handicapé, venez vous abonner à ma chaîne. Tu sais, c'est abusé quoi, c'est abusé. C'est, tu sais que les mecs disent ça vraiment, c'est, tu sais, à la limite que tu expliques que tu es handicapé, que tu fais des vidéos pour ci, pour ça, c'est très très bien. Mais je veux dire, certains en profitent un petit peu et vont trop loin, tu vois, avec ça. Et en fait, ils veulent profiter un peu de la gentillesse de tout le monde sur Internet pour essayer de gagner des abonnés en sensibilisant le public YouTube, tu vois. Et en gros, ils veulent gagner des abonnés comme ça, tu vois. Et toi, ce que je respecte chez toi, c'est que tu te sers pas de ça. Et c'est très bien, frérot. Tout est à ton avantage et je respecte ça. Maintenant sur le test, c'est Brahim 93. Ok Brahim, pas de soucis, on verra ça ce soir, rien. On verra ça ce soir, tu sais bien que là on est sur YouTube. On... Et je respecte ça, rien. C'est ce qu'ils ont fait, Godcat ? Ils parlent de Kylian. Non, c'est pas Kylian, c'est un abonné qui s'appelle Mister All People, justement. Et Kylian, c'est pareil. C'est. Il a jamais profité de sa maladie, miskin. Loin de là, c'est pour ça que je l'ai en ami, c'est pour ça qu'il m'avait ajouté, c'est pour ça que j'ai parlé avec lui, c'est pour ça que j'ai même fait des dons pour lui, j'avais même donné 50 balles à Deli, j'avais fait une pub pour lui, sans mettre son nom, sans mettre sa bannière, sans mettre sa miniature, j'avais fait une vidéo, j'avais parlé de lui dans une de mes vidéos de jeux vidéo en fait. C'était un jeu qu'on avait fait avec Momo, j'avais parlé du fait de Kylian. Non, ce que je respecte c'est Kylian aussi, c'est qu'il a pas cherché non plus à buzzer, c'est nous les youtubeurs qu'on a fait des vidéos pour lui, il nous a rien demandé, tu vois. Et tu vois pas Kylian sur son Twitter en train de demander des vidéos aux autres, tu vois. Donc Kylian, je le respecte aussi, et c'est bien. La plupart des... Je trouve ça en fait, je trouve ça, moi ça me fait mal au cœur, tu vois, les personnes handicapées, tu vois. Et en fait, quand je vois des personnes handicapées qui veulent réussir sur YouTube sans se servir de cet atout, bah je respecte encore plus, je me dis putain, ils sont handicapés les pauvres, et ils veulent quand même réussir comme tout le monde. Ils veulent pas réussir pour de la pitié ou quoi que ce soit, ils veulent réussir comme tout le monde. Et alors là, j'ai encore plus de respect pour ça, tu vois. Mais j'ai vu certaines personnes handicapées sur YouTube qui disaient, qui tweetaient à plein de YouTubeurs, à au moins 200 YouTubeurs sur Twitter. Ouais, je suis handicapé, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une vidéo sur moi pour m'aider? Tu sais, c'est abusé quoi. C'est abusé quoi. C'est abusé, tu sais. Et ils veulent juste sensibiliser les YouTubeurs, se servir un tout petit peu de sa gentillesse pour que le YouTubeur lui fasse une pub. Et au final, je trouve que c'est assez malsain, tu vois. Je trouve que c'est assez malsain de se servir de quelque chose qui est quand même... Qui fait mal au cœur, tu vois, un handicap, tu vois, ça fait mal au cœur, tu vois, pour essayer de gagner des abonnés, tu vois, je trouve ça pas très propre. Emily, Boyer, merci beaucoup pour les 50€, merci beaucoup. À la limite, si t'as une personne qui vient, un youtubeur, il est handicapé et tout, qu'il dit à un seul youtubeur parce qu'il aime le youtubeur, tu te dis, bon, c'est compréhensible, il veut juste que son youtubeur préféré il fasse un truc avec lui. Mais que le mec commence à faire ça sur Twitter à tout le monde et qu'il fait du copier-coller, là tu te dis que c'est un peu malsain. Mon parrain est mort ce matin. Ah bah Matt Gaming, soutien à toi frère, soutien. Attends Mohamed, joue pas s'il te plaît. Joue pas vite fait, je l'ai tué un peu les abonnés. Wesh Rouya, wesh. Non, Kylian il est gentil comme tout Muskin. En plus Kylian tu peux pas l'en vouloir, t'es, c'est un gamin Muskin, tu vois. Il est mignon comme tout Muskin. Non, assieds-toi. Arrête de t'énerver. Quoi? Non mais j'ai un mec qui a dit Abdel, depuis okay. Je sais pas combien de temps que je te suis là. Ah bah merci beaucoup, regarde, merci beaucoup. Wow, Emily, merci pour les 450€, merci beaucoup, Clum Tonton. Momo, je te kiffe, MDR. Pourquoi tu veux que tu kiffes? Il est moche. Merci, moi aussi je te kiffe. Garde sa tête, là, il ressemble à un prisonnier mexicain, le délire. C'est qui m'a coupé les cheveux? Voilà,
Et tu m'as raté, regarde si tu m'as raté là. It's Captain Mads, merci beaucoup pour les 2 dollars canadiens, mon poulet. Merci bon. Yo Abdel, t'as testé le jeu que je t'ai donné. Frérot Lia, elle a testé, elle aime pas trop. Et je vais le tester ce soir sur Twitch, je pense. Je verrai bien, je verrai bien. Et Emily, merci en tout cas pour les 500 euros au total parce que t'as fait 50 euros plus 450 euros, ce qui fait un total de 500 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma grande, merci beaucoup. Ouais, non, go, que je te montre ce que c'est là ou pas. Ouais, attends, vite fait, je banne un mec. Tac, hop. Hop. C'est quoi un TeamSpeak? En fait, c'est ce qui me permet, en fait... en fait, si tu veux, c'est simple. Sur ma chaîne Twitch, j'ai quelque chose qui s'appelle le sub, en fait, où tu peux t'abonner. En fait, sur ma chaîne Twitch, tu arrives, tu descends un peu en bas, il y a marqué Subscriber. Tu peux cliquer dessus, c'est un lien, et en fait, tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch. Et quand je reste abonné à ma chaîne Twitch, je leur donne un TeamSpeak sur lequel je passe beaucoup de temps l'après-midi et le soir avec eux. Et en fait, ça me permet de jouer avec eux, de parler avec eux, en fait, et c'est un TeamSpeak que j'héberge moi, en fait, que je paye moi tous les mois, en fait. Pour pouvoir discuter et rester avec mes abonnés, en fait. Alors, on est parti ou pas? Abdel Foronor, il a combien? Ils sont à plusieurs sur moi. Le côté. Je te dis, je suis en bas. Oh, déjà. T'as la chance, je peux pas voler parce qu'en fait, toi, tu m'attends. Non, je peux pas voler. Surtout là, dès que tu m'attends, je peux voler, tu vois. T'as vu là, tu m'attends. Arrête de dire n'importe quoi, Momo. Je t'attends d'où? C'est encore à moi de venir te chercher, c'est ça? Mais dès que je vais venir, tu vas me tuer! À chaque fois, c'est à moi de venir te chercher, parce que tu planques derrière les trucs. Mais après, on fait comment? J'aime pas ce jeu. Je déteste. C'est pas méchant pour ceux qui... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est un vrai call-off, ça assume pas, c'est ça? Non. Non, je crois pas. Jamais t'as fait. Ah, il met une balle, je suis mort. Snipe, par contre, je suis bon. Oh, genre! Oh, mais genre! Ah mais ouais mais oui, rush pas alors. Snipe, je peux pas rush, c'est... Vu qu'il rush snipe, c'est un malade, faut que tu me... La bataille est très mal engagée pour nous. Salut. On entend pas ta grande gueule de con là. Bah j'étais au snipe. Arrête de mytho, tu vas m'énerver. Lia, 20 à 1. Bah alors, t'es où là? T'as geeké ton jeu. T'es où? J'ai pas geeké code 4. J'ai pas geeké code 4 mon gars, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout, je dois avoir 5 gameplay à tout casser dessus quoi. Non, Riser, évite, ma gueule, évite. Putain, Riser, quand je t'ai ajouté un ami, je te l'ai dit, frérot, évite. Bon, après, bien joué, hein, c'est... toi, c'est ton domaine code 4. Momo le pourri, voilà. Momo le kikou. Momo le kikou. Momo le pourri. Momo le noob. Trop une bite, Momo. Ah, vous avez vu ou pas? Hein, quand il s'agit de jeux où ça vole, là, comme une salope, là, hein. Mais qu'un des vrais jeux où t'as le pied par terre, hein, t'es où? T'es où? Je suis très bien dans mon jeu où on vole.
voler. T'es nulle part là. Va voler, va faire Superman, Catwoman, Haraman. Azax Flo, merci beaucoup pour l'1€ frère, merci. Allez, va faire tes jeux là où tu papillonnes des ailes là. Eh, même les gens qui sont morts à la première guerre mondiale, s'ils voyaient votre jeu là où on volait, ils nous tireraient dessus là. Ils nous diraient, vous avez pas honte de faire des jeux de guerre comme ça là? Vous croyez que nous on a fait la guerre en sautant dans les airs ou quoi? Et en courant contre un mur? Ça s'appelle un exo. Ouais, un exo, je vais t'en foutre moi des exos. Bref, moi je kiffe mon jeu où je vole, chacun son domaine, toi t'es fort sur ce jeu, moi je suis fort sur le jeu où on vole. Voilà. Mais pourquoi t'es pas fort sur ce jeu? Je sais pas, tu devrais être encore plus fort, je sais pas. Sur quoi? Sur Black Ops 3? Oui. J'ai pas aimé de ouf hein, Black Ops 3 mon gars. Moi je kiffe ce jeu. Putain, j'ai fait toutes mes nucléaires là et je te bats là. Ça se voit, t'es un Kikou qui a habité dedans. Allez, on se fait un FIFA du coup? Je peux pas. Vas-y. Allez. Et après FIFA, on se fait un GTA, mais on pourra pas parler, du coup c'est nul. Oh, tais-toi. Mais appelle-moi, ok? Abdel, j'ai un micro sur la partie, sur la play. Si tu mets ton son de la play, on peut parler. Hein. Et eux, ils nous entendent. T'as vu, j'arrive. Et j'ai un bon micro. Moi, je fais un GTA avant. Tu vas bientôt arrêter le live? Mais non. À 19h. Mais non. T'arrêtes quand? À 18h50. Ah par contre, aujourd'hui, on live pas à 19h, ok? À 20h, il y en a live. Ouais, on live pas à 20h. C'est normal, je suis parti hier. Y'a personne à 20h, y'a personne. Y'a R à 20h. Normal, y'a personne. Ils sont mes abonnés, ça fait 2 ans, ils sont habitués à ce que je live à partir de 21h. Mais y'avait du monde quand même. On était 400, 500. Tu te fous ma gueule, vous étiez 600. Ah ouais, 600 pardon. Mais je préfère dès qu'on live à 21h, tu vois. Oui, toi tu préfères quand vous êtes 2000 quoi. Le mec il aime bien que quand il y a du monde. Du... Mais non, c'est pas ça. C'est juste que le chat il est plus ambiancé, tu vois. Il est plus ambiancé. Ouais. Il est en mode fais le move le chat quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, je me suis fait arracher. Du coup on y va? Ah ben écoute fils, c'est en train de se faire là. On peut pas aller plus vite que la musique hein. Y'a pas qu'à l'armée qui a des EA Sports. It's in the game. EA. Non, EA Sports. It's in the game. Dis-le. Comment on fait un don? C'est simple frérot, c'est tout bête, hein. C'est bête. C'est juste en bas, tu vois, du chat, il y a un S, le S de dollar. Il y a le signe de dollar en fait, le petit S de dollar, tu vois. Le signe dollar. Tu cliques dessus en fait et à partir de là tu peux faire un don. C'est tout bête l'eau. Dans quelques... C'est sur ton vieux compte pourri aussi. Ah bon? C'est des comptes débuts? Ah ouais, Momo Nuke, regarde. Ah ouais, Riser il abuse par contre, hein. Riser je vais le supprimer, hein. Ça va être rapide, hein. Supprimer, bloquer. Hein. Oh non, vas-y collecteur sur ton compte. Pourquoi ça me met mon compte à moi? Attends, touche à rien s'il te plaît. Tiens, prends la main. Changer d'utilisateur. Ouais. Riser tu viendras pas pleurer quand on supprimera. Hein. De plus tard, t'abuses. Ah c'est relou cette histoire de compte là. C'était beaucoup plus facile sur l'ancien je trouve. PS3? Ouais PS3 c'était ouais, plus facile. Ouais tu changeais d'utilisateur et tu mettais un... Ouais c'était beaucoup mieux. Mais tu sais que tu pouvais jouer en invité sur PS3. Et là t'es obligé de te connecter à un compte pour jouer. Riser il force. Ouais non mais il force mais après c'est justement comme ça, c'est les abonnés, tu les ajoutes, t'es gentil avec eux. Et ils spam, ils t'invitent dans des chats, ils rejoignent les games pendant que t'y es et tout. Alors qu'au début tu sais quand on les ajoute on leur dit gentiment de jamais rejoindre et tout. Et après quand tu vas les supprimer, les bloquer, ils vont être méchants, ils vont te manquer de respect. Alors que c'est de leur faute à eux, tu vois. Alors qu'on leur a déjà demandé 2 ou 3 fois déjà. Tu vois, je l'ai déjà demandé 2 ou 3 fois gentiment, tu vois. T'es gentil, mais après le truc c'est que t'es obligé de supprimer, tu vois. Alors, je t'adore, merci beaucoup frère, merci beaucoup. Bloque-le. Non mais t'inquiète, je vais pas le bloquer tout de suite, mais s'il continue, ouais, il va falloir que je le fasse, quoi. Le truc c'est ça, c'est la dernière fois j'étais en live tu vois. J'étais en live sur Twitch et là il m'envoie un message.
Après, il envoie un deuxième message, troisième message, quatrième message, cinquième message, sixième message, septième message, huitième message. Et tout ça parce que. En fait, il voyait que j'étais gentil avec lui et tout ça. Je jouais avec lui à FIFA une fois, tu vois. C'était même pas un abonné ou quoi, hein. C'était un follower juste. Il est venu me suivre sur Twitch et tout. Et j'étais gentil avec lui, tu vois. Et il arrêtait pas de spammer. Je lui dis d'arrêter de spammer. Et après, au bout d'un moment, il envoyait des messages pour spammer. Et quand j'ai dit bon, bah je vais te supprimer, j'allais pour le supprimer parce qu'il m'a envoyé genre 15-20 messages. Et après, il a commencé à dire fils de pute, nique ta mère, tu sais. Il a commencé à dire des insultes. Et après, bah il est revenu s'excuser sur Twitter. Je l'ai attrapé, je l'ai rebloqué sur Twitter aussi, tu vois. Pas d'excuse, tu vois. Tu te manques au niveau de la daronne, c'est fini, tu vois. Bigzou, merci beaucoup, Bigzou Gamer, merci beaucoup. Pour les 1 euro, pour les 1 franc, merci beaucoup. Trick, merci beaucoup pour les 3 euros. Dark Asus, merci beaucoup pour les 10 euros, merci. Merci les gars pour tous vos dons, Ah, c'est comme des fois, il y en a qui m'ont insulté, et des fois, ils m'ont manqué de respect, tu vois, en traite, tu vois. Et c'est leurs propres potes qui me les ont balancés, tu vois. Genre, ouais, tonton, t'as vu lui, il traîne avec toi et tout, il s'approche de toi sur ton Teamspeak, mais il t'a insulté, tu vois, il a montré des screens et tout. Après, les mecs, ils étaient là en mode ouais, je m'excuse et tout, mais je leur disais, mais c'est trop tard, frère, la daronne, tu vois, je rigole pas avec ça, tu vois. Tu dégages, tu vois, c'est fini. T'insultes une fois, tu parles une fois, une fois dans mon dos, c'est fini, frère, y'a plus de confiance. Tu niques une fois la confiance avec moi, c'est pas deux, tu vois. Mais c'est Sergio, comment? Ah ouais, là, j'ai lancé, les gars, un mode carrière avec Leicester. Est-ce que vous voulez que je modifie mon équipe de carrière? Je modifie mon équipe pour que vous voyez. Asus, merci beaucoup pour les 10 euros en tout cas, regarde, merci. Hein. Merci, ma gueule. Merci infiniment. Je vous montre juste les refs pour que vous voyez un peu mon équipe de Leicester. Je vous montre un petit peu. Alors, déjà, il faut savoir, j'ai un truc que j'ai fait, c'est que j'ai vendu Vardy parce qu'il avait 29 piges et il avait 80 de général. Et je me suis dit que si je prenais Slimani, 83, je le mettais à sa place, c'était bien. Et j'ai pris Moussa en fait, à sa place. Moussa en fait, qui a juste en fait. Il est juste rapide et il a juste 23 ans, tu vois. Donc il y a de quoi le faire évoluer easy à 80. L'autre il avait 80, lui il a 77. Tu vois ce que je veux dire? L'autre il avait 29 piges, lui il en a 23. Ce que je veux dire, c'est que en quelques temps, en 2-3 mouvements, je le mets à je sais pas combien de général. Donc lui, Moussa, en fait, je vais profiter un peu de lui. Je vais le garder jusqu'à 26, 27, 28 ans. Je vais l'améliorer, je vais le monter à 82, 85, tu vois. Et je vais le garder. Et plus tard, j'achèterai un attaquant à sa place. Et là, en fait, si vous voulez, Gray. 75 de général et il a 20 ans à peine, je suis en train de le faire monter aussi. Regardez cette équipe. Slimani 83 de général, il a 28 ans, donc pour l'instant il tient juste le rôle d'attaquant pour l'instant, mais j'en ai besoin pour l'instant, mais après je vais mettre un attaquant plus jeune et plus puissant à sa place. NBB 74 de général, 19 ans, pareil, très jeune aussi, que j'ai mis aussi, je l'ai fait rentrer sur le terrain. Lui en fait il a 26 piges, 80 de général, lui dans pas longtemps il va changer, mais là il est bien, 26 ans, 80 de général, ça reste assez bon, c'est pas dégueulasse. Riyad Mahrez, forcément, lui, 25 piges, 84 de général, il bouge pas, il est très bien là où il est. J'ai acheté lui, Samedo, je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai acheté, et il a juste 22 ans, 78 de général à 22 ans, c'est ce que je trouve très propre, il va aller à mon avis à 85 de général en défenseur droit, c'est très très bien, à 25-26 ans, il sera à 85, à peu près, un peu plus même. J'ai acheté lui, Elvadi, 75 de général, j'ai enlevé l'ancien défenseur central, parce que l'ancien défenseur central, je vous explique un peu, il avait genre... 77 de général, mais il avait 32 ans, regardez lui, 75, 19 ans, tout jeune. Le prochain qui va partir, ça va être lui, défenseur central 78, je me suis dit bon, cette année, il va tenir. Les prochains mercato, il dégage. Prochain mercato, regardez, il a 32 ans. Prochain mercato, je le vends et j'essaie de récupérer un joueur assez similaire, mais encore plus jeune. Et là, en défenseur gauche, Lucie doit dégager aussi. Prochain mercato dans pas longtemps. 30 ans, 77 de général. Lucie dans pas longtemps. Prochain mercato, il va dégager. Le gardien pour l'instant, 83 de général. Il est très propre encore. Donc pour l'instant, je le garde. Il dégagera au prochain mercato de l'année prochaine. Donc pas pour l'instant. Pour l'instant, je le garde. Il est très bien. Il a 29 ans. Putain, c'est pas possible. Putain, Adem Code, regarde gros. 83 de général. Gardien, tu vois. Propre, 29 ans. Ça va pour l'instant. Je me dis, ça va. Donc voilà, j'ai une bonne petite équipe. Franchement, une bonne petite équipe bien propre. Comment il fait peur lui avec sa coupe. En tout cas, il a 18 piges. Oh, il a 18 piges, il a cette touffe là et la barbe d'un mec de 30 balais, wesh. Voilà en tout cas ma petite équipe de Leicester. Pour vous la montrer un peu. Voilà. Ta chaîne est trop cool. Merci mon pote, bienvenue à toi en tout cas. Si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. Voilà, voilà. Bon Momo, on va se faire le 1 contre 1. Attends, je suis en train de parler avec mon nouvel meilleur ami. Moi. Allez, viens, on fait un Paris-Marseille, t'es Paris du coup. Ah, quoi? T'es Paris toi. Non, dimanche on va voir le match, Abdel. Hein? Dimanche on va voir le match. Ouais, dimanche on va voir le match, ouais. Où? On peut, là, sans pote.
C'est qui contre qui? Au début avec mon pote, c'est ce qu'on avait prévu, Momo. On avait prévu de descendre à Marseille, aller-retour. Mais en fait, on a cru que c'était lundi. Mais vu que dimanche on joue entre nous, il y a déjà 25 mecs qui vont arriver jouer avec nous. On va faire un grand match sur un grand terrain dimanche. On s'est dit que c'était mort, tu vois. Je pourrais venir regarder avec vous? Attends, c'est à quelle heure? C'est un pub, hein, Momo. Il y a que des adultes dedans, il n'y a pas de jeunes. Ah ouais, Momo. Ah, mais Momo, c'est un pub. C'est un même pub, les abonnés te le diront, c'est un pub. C'est quand leur grand frère il sort dans un pub, dans un bar, restaurant. Un pub, hein. Oui, parce qu'il y a quand même. Mohamed, il y a quand même de l'alcool et tout, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Non, mais je pense que c'était juste un terrain. C'est après. Pas pour les petits, tu vois. Même lui, mon pote, il ramène pas son petit frère. Et pourtant, c'est le bar à ses frères. T'es jeune, Rouya. Je prends quoi? Hein? Je prends quoi? Prends ce que tu veux. Ah. Allez, vas-y, je fais plaisir au frérot Corse. Darkasus, merci pour les 7€, Rouya. Merci beaucoup. T'inquiète pas, je te kiffe. Mais s'il te plaît, ajoute mon PSN, Batkiller X, et surtout, n'écoute pas les rageux. Merci beaucoup, frérot, pour le PSN. C'est chaud, mon poulet. Je sais pas, gros. Essaye de venir sur ma chaîne Twitch et essaye de te sub. Je t'explique, regarde. Je vais t'expliquer vite fait pour que tu comprennes vite fait le bail. Parce que j'ajoute beaucoup les subs en fait. J'ai plus de place parce que j'ai tellement de subs sur Twitch. J'ai plus de 500 subs en fait sur Twitch. Et en fait, j'ai plus de place, frérot. J'ai vraiment plus de place. Regarde, gros, c'est simple. Je te montre. Tu vois, ça, c'est ma chaîne Twitch. Tu vois, ma chaîne Twitch, GameX13 et tout, tu vois. Tu vas et tu descends en bas. Il y a donation, tu t'en fous. Il y a souscribeur. Tu cliques sur souscribeur, ça va t'ouvrir une page. Et à partir de là, tu peux te souscrire en fait. Tu te souscribes ici. Tu vois, tu t'abonnes. Ok, donc voilà, n'hésite pas. Ma chaîne Twitch, comme je t'ai dit, t'es sur Twitch, sur ma chaîne. Tu déchanges juste un peu en bas où il y a donation et tout ça. Où il y a les trucs, il y a marqué souscribe. Tu te souscribes et après je t'ajouterai, frère. Franchement, je t'ajouterai. Parce que là, je peux pas ajouter, frérot. J'ai plus de place, il y a trop de subs, trop de nouveaux subs sur Twitch. C'est bon. Là, en deux jours, j'ai gagné au moins 30 ou 40 subs sur Twitch. Ce qui est énorme, parce que pour être sub, il faut payer quand même 5€. C'est énorme. Et le truc, c'est que j'ai trop de nouveaux, enfin de nouvelles personnes à ajouter, tu vois. Vas-y, avec la Corse, on tente avec Bastia. Allez, on fait plaisir aux Corses. Tu vois ce maillot là, regarde. Tu le vois le maillot là, tu vois, regarde. Ah, Chelsea, bizarrement. Vas-y, tu sais quoi, je fais même pas mon équipe, allez, je lance. Mais moi, je devais mettre. Ah, ça va, abuse pas. Mais je voulais mettre Diego Costa. Allez, cours chercher le ballon, cours Forest, cours. C'est pas moi ça. Ah merde, c'est moi. Ah non, en fait, c'est toi et moi, tiens. Tiens. Oh, tu as mal donné, frère. Allez, on y va, c'est parti. Mais non, mais on s'entraînait. Je t'arrête de râler un peu. Oh là. Mais on s'amusait trop bien. Attends, tu cliques ici. On va qualifier d'assez intime. Voilà, c'est parti, on y va. Ok, bah attends. Les supporters font du bruit, hein. L'équipe de Bastia qui va débuter ce match sur votre écran. C'est donc un 4-5-1 classique, hein, que l'on va Corsica, Corsica, Corsica. Je joue jamais à FIFA, précise, je joue jamais à FIFA. Mais aussi pour placer un contre. Attention à cette action. Pas de soucis. Le jour où la Corse elle fait des trucs comme ça à Chelsea, il y aura un problème. Hein. Ah, j'aime beaucoup la Corse, les mecs. Je sais pas si vous êtes allés déjà, c'est magnifique. Ouais, la meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Elle est mal centrée, dommage, un bon ballon de l'attaque perdue. Hop là. Oh. 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 Aïe. Ouais, bon tacle, mais personne peut reprendre ce ballon. Wow. Il a failli tomber de sa chaise, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça va, ça va. Yes. Mathématique. C'était quoi le colis? Tu sauras, frérot, je vais bientôt faire une vidéo ouverture. Tu sauras, t'inquiète pas. Je l'ai montré le colis en début de live, frérot, il est là, rien. Tu vois, je peux pas montrer plus, les gars. Franchement, parce qu'en fait, les gars, vous allez voir en fait que ce qu'il y a dedans, en fait, c'est un truc qui se règle avec les personnes qui me l'ont envoyé. Vous allez voir en fait pourquoi. Vous allez dire, ah ouais, tonton, je comprends pourquoi tu l'as pas ouvert directement. Attention, c'est pas dangereux. Ah, le tacle glissé. Ouais, goal! Yes, goal! Yo! Technique. Tu joues contre Chelsea, t'arrives encore à faire des techniques comme ça? Parce que là, quand tu joues à Chelsea, à mon avis, tu dois avoir les jambes qui brûlent. Quoi? De quoi? Je dis que c'est pas une blague. Quand tu joues contre Chelsea, tu cours tellement, t'as les jambes qui brûlent. Tu vois, en gros, t'as les jambes lourdes, quoi. T'as déjà joué au foot, Momo, ou pas? Ouais. Ouais. T'as pas joué au foot jusqu'à ce que t'aies les jambes lourdes, alors. T'as jamais fait des vrais matchs. On fait tourner en essayant de faire. Je veux dire, quand tu fais un vrai match. Ouh, je passe là un petit. Mais dis-moi, Stéphane,
Faut rester ici là. Faut pas que. Allez, dans l'espace. C'est kill. Putain, j'ai fait 3 kills. Penalty. Je m'en fous, c'était nul de toute façon. Eh Bastien, oh. Et la corche. C'est quoi cette tête là? Mais moi je joue jamais à FIFA. Et toi tu joues, mais tu joues ta vie, dis la vérité tout le temps, tu joues le soir à FIFA. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai les gars. Tellement je te dis la vérité, il joue contre des bots en recrue. Tellement je te respecte pas. Regarde, tellement je te respecte pas. Hein. C'est toi que je vais m'aider là. Mon gardien frère. Regarde, je te la mets là. Bah va la chercher au moins. Je t'ai mis la flèche et tout. Je joue pas FIFA, je joue pas. Tu t'amuses parce que je joue. Mon gardien, bien joué frérot. On est sponsorisé par Pago. Pago, tu connais Pago? Ouais, Marseille. Pago. Marseille. Non, c'est une boisson Pago frère, pas Marseille hein, Pago. Si, un truc qui s'appelle Pago. Oui, non mais c'est... Frère, tu comptes quoi? Boisson. 2-0. Ah oui, Pago le truc avec le lance confortable. Et le scooter, tonton, le scooter, frérot, comme je l'ai dit dans la vidéo, il arrive mercredi, ma petite gueule. Mercredi, on va le chercher. Ouh. Penalty. Momo, tu perds contre Bastia, étendu. J'y joue jamais. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Vas-y, tu m'as vu jouer à FIFA déjà? Oui. Non, arrête de mentir, c'est pas vrai. Monteur. Wallah, je joue jamais à FIFA. Non. Chut, chut, chut. C'est où il est? Il a su suivre la flèche là. Non, non, tu fais quoi? Arrête. Oh, c'est pas croyable. C'est pas grave, au moins je l'aurais mis penalty ça. C'est moi qui a fait de la. C'est toi, je sais que c'est toi qui t'as fait un truc bizarre là. J'ai rien fait de bizarre, mon pote, c'est toi qui t'as manette. Ouais, je suis un côté complètement ridicule de ce but. Elle donne un ballon, allez, allez. Tartek, machin. J'ai fait 10 kills et une mort. 3-1. Qui a fait 3-1? Kousnik. J'ai fait 10-1. Marcos Alonso. On s'approche du but. Oh, c'est bien, tu joues en passe là. Oh, Momo, tu fais plaisir là. Bravo, il sait faire des passes sur FIFA. Ouais. Putain. Laisse-moi le ballon pour voir. Jean-Louis Leca. Ah, vas-y, récupère-le. Donne. Mais donne. Prends-la, la balle. Mais donne. Bah, va la chercher, la balle. Tu me dis. Voilà, donne. Ouais, bon timing. Merci. Fin sur ce tacle. Arrête de jouer le temps, tu joues le temps là. Vas-y, est-ce qu'ouvert le ballon? Carton jaune, ça va, ça va. Ça va. Qu'il va être averti. Quoi? Carton jaune, l'arbitre est très clair. Quoi? Vas-y, on va la prendre. Vas-y, on va la prendre. C'est pas ça, tu vas prendre un carton. Ok, vas-y, donne. Vas-y, donne. S'il te plaît, donne. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Elle a un triangle, ça va, pas trop dur. C'est même pas faire des passes, toi, pourquoi tu parles à la triangle? Fais un triangle. Vas-y. Camille. Bravo, t'as réussi. Mais quel beau un triangle. On va revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Je te montre ce que c'est qu'un triangle magic. Ben, l'intervention, changement de possession. Qui est magnifique, qui est magic, qui est beautiful. Je vais t'en montrer un de beautiful, tu vas voir. Ça, c'est un beau triangle. Ouais, mais y a pas de niveau derrière. Attention, faut pas les laisser jouer. Putain, il est pas parti ce con. Et l'intercept. Tiens, un triangle qui est censé faire partir un de tes joueurs. Le quatrième arbitre. Alors, tu vois comme l'autre là-bas qui part, regarde. 4 minutes de temps additionnel minimal. On met juste, je vais te taper. Tu vois, c'est ça un triangle qui sert pas juste à donner des ballons. La puissance. Ça sert aussi à envoyer un joueur. Je pense que l'arbitre a hésité. Alex, merci beaucoup pour les 2 euros. Momo, t'es le 100. Merci. Je vous adore. Continuez, bise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clash of Game. Merci beaucoup pour les 2 euros, frérot. Merci beaucoup, ma petite gueule. Merci. Il est où, Diego Costa? Ah, il est là. Il est Diego Costa sur le terrain. Il est con, celui-là. En tout cas, toute ton équipe, elle est en rouge, frère. Tout en négatif. C'est longtemps, hein. Finalement, allez, Diego Costa. Ton équipe, elle est en descente. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé.
Aspilicueta, oui, c'est propre. La frappe. Ouh, goal, 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 goal. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle est... C'est sale. C'est sale. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi ce but me fait penser un tout petit peu, il a un air de Falcao, tu vois. Ouais, c'est, il a un air de Falcao ce petit but quand même. Un petit air, tu vois, un petit air de Falcao, tu vois. Il y a un petit air de Falcao, juste c'est pas le bon côté et juste c'était un peu, enfin, c'était un peu plus loin mais. Allez, ici, ici, là, c'est il est mort. Je joue la manette derrière le con. Allez Momo, joue sérieusement, arrête de faire le con. Mais tu fais le con, t'es hyper fort, je jamais joué ça. Chut. Ça va, tu t'articules ou pas? 4-0, oh là là. Tu es con celui-là. Tu fais du 4-0 avec un mec qui sait jamais, qui sait pas jouer, bah amuse-toi bien. On vient d'assister à une première période à sens unique, hein Pierre. Que la deuxième sera assez. Regarde, toutefois, tu essaies d'apprendre à jouer. Tu regardes un joueur, tu fais à tout, je crois. Tu regardes un autre joueur, tu fais à tout, je crois. Tu regardes un autre joueur, tu fais à tout, je crois. Tu regardes un autre joueur, tu fais à tout, je crois. Tu regardes un autre joueur, tu fais à tout, je crois. Tu regardes un autre joueur, tu fais à tout, je crois. Hop, tu regardes un autre joueur, tu fais la touche. Hop. On fait tourner. Si, c'est pas de ma faute, Momo, si t'arrives pas à jouer, c'était con. C'est pas d'apprendre. J'aime pas ce jeu en fait. T'aimes pas FIFA? Non, j'aime pas. D'accord. Bah, tu voulais jouer, donc joue au moins. Et fais un effort. Tu fais un effort. Mais fais un effort dans la vie. C'est pas parce que tu arrives pas qu'il faut pas faire d'effort, Momo. Justement, si tu arrives pas, essaye d'y arriver. Même si t'aimes pas le jeu. Après, quand avec tu poses la manette. Qui joue tout le temps, c'est un peu. Il y aura personne. Je crois le mode à la même division, je sais pas. C'est un match fini. Il vient tacler, mais ce n'est pas fini. Voilà la faute. Ça va donner un coup franc très dangereux. Oh d'accord, ouais, putain, ouais. Faut pas compter sur une enroulée avec lui. Ils ont un avantage assez important au score. Regarde là-bas tout de suite, là-bas, regarde. Voilà, allez. Regarde devant toi là, numéro 7. Voilà, regarde là-bas, là en haut. Oh, regarde, regarde tout de suite. Putain, ouais, t'es nul toi. Ouais. Ouais, bonne interception. Ouais, je suis encore pire. Bien trop loin. Non, ça, on dirait que c'est Marcelo qui a frappé. Soit Marcelo quand il tape des accélérations réelles pour mettre une frappe. Ça ressemble souvent à ça. Victor Moses. Voilà. Ouais, voilà, c'est beau ça. Bon, t'as voulu aller un peu trop vite, tu vois, mais. C'est intercepté par David Luiz. Et 30 minutes à jouer. Là, tu me fais plaisir. Regarde, triangle. Tu vois, là, t'aurais pu mettre un triangle. C'est un triangle, ça permet de. Peut-être faire des passes en profondeur comme ça, tu vois. Ah, facile la récupération. Kanté. Regarde, triangle là-bas de l'autre côté, tu pouvais faire un triangle. Attention, ça peut être dangereux. Waouh, ouais, ouais, ouais. Des Nazar, intercepté. Merde, bien joué. La bonne interception. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Le duel est gagné par le défenseur sur cette action. C'est pas que tes joueurs sont nuls, ouais, c'est parce qu'en fait, c'est parce que je m'en ai. Il a dû se détendre hein, pour éviter le tacle. Ah! Et là, je tombe à nous. Lâche-le. Voilà. Ouais, je fais... Ah, c'est bon, je fais un tacle, c'est bon, il existe les tacles quand même. Il a ralenti ce tacle vite. Et l'arbitre, évidemment, qui a sanctionné. Ouais, ce mec est con, no fake. Le timing sur ce tacle. Le mur qui contre ce ballon. Avec un jeu que j'aime pas, c'est sûr. Ballon bien capté par Courtois. Bon, je suis parti, tu t'amuses bien, hein? On redonne derrière au gardien. Non, moi je suis. Enfin, je suis dehors. Non, le truc vas-y. On rechit. Oh, le gardien qui s'enflamme. Il a décidé de jouer dans le champ, mais il est complètement fou. Attention, il a du champ devant lui. Ah oui, le bon. Il rage. Ah, il rage, tiens, allez. Allez, continue à jouer. Il va frapper. Je crois, il y a rien à jouer. Ah, oh, mais t'as de merde. Heureusement que t'as Courtois. Putain de merde.